Travail, expérience, la recette magique du bon zoulou qui ne laisse personne indifférent. Après le single à succès Zigizaga, l'artiste ivoirien signe son grand retour. Cette fois, en solo, Nayou Inter dévoile Allons avec ça. Une bonne dose d'ambiance zouloutique qui s'allie parfaitement à un message fort qui saura vous booster dans vos défis quotidiens. Allons avec ça, de Nayou Inter, un son Mama Production, déjà disponible sur toutes les plateformes et sur Trace. Ah ça, le doux ange. Bonjour tout le monde, bonjour les uns et les autres. C'est juste un petit message. Hein. Voilà. Il y a des moments comme ça, on n'a même pas envie d'être beau. On a envie juste d'être ce qu'on est. Partagez ce direct sur 2, 3, 4 avant de démarrer. Voilà. On a un petit message à passer aux autorités de notre pays. Donc voilà, essayez de faire un partage, un tour de direct, un tour de partage, je partage aussi. Et voilà, on passe notre message rapidement. Voilà. Nous allons commenter la déclaration de Maître Sim qui interpelle les partis politiques à manifester organiser une manifestation contre les non-manifestations au pays. Ça, c'est une idée très géniale. D'ailleurs, ça m'a touché. J'ai dit, ah, moi, tiens, on peut en parler. Donc, j'avais promis hier de parler d'un direct sur le patronyme de Cham Calibri et sur les propos, la lettre du gouverneur à propos de ce petit incident qui s'est passé à l'ouest entre la députée Noran Foster et le policier. Ma position par rapport à ce sujet et aussi l'interpellation de mon collègue docteur Fidolé King, donc qui traverse des moments difficiles à l'heure actuelle au pays. Le doux, de toutes les façons, moi je ne connais pas comment on appelle le pays là. C'est pour ces raisons qu'on va en parler. Donc, un tour de partage, je partage aussi dans quelques 2-3 groupes. Et on démarre le direct. Donc voilà. C'est toujours bien d'avoir quelques personnes connectées. Voilà. Pour ces raisons qu'on va en parler. Donc, un tour de partage, je parle. Il n'y a pas encore assez de partage. Donc voilà, je partage là. Je partage ici. Je partage encore où? Sur là. Je partage encore où? Donc je fais quelques. Non, le moment donc quoi que. Je suis pour Marika. Voilà. Et. Donc, voilà. Voilà les réponses. Bien d'avoir quelques personnes connectées. Bon, les gars, vous pouvez partager le direct. Donc, il y a cette déclaration de Maître Emmanuel Sim qui nous intéresse aux partis politiques et à la société civile. Je propose une manifestation contre l'interdiction systématique des manifestations. Je trouve que cette idée est géniale. Vraiment très génial.
et les partis politiques devaient s'en servir pour manifester. Parce que ce qui arrive à l'heure actuelle au MRC est très grave. Le MRC ne peut pas tous les jours demander des manifestations au Cameroun et on interdit ces manifestations. On peut ne pas aimer le MRC. On peut ne pas être du même bord politique que le MRC, mais il n'est pas normal que le MRC demande autant de manifestations parce que les autres partis politiques ont mis les quelques réunions. Les autres partis politiques n'ont pas encore demandé des manifestations d'envergure au Cameroun. Il faut aussi retenir cela parce que ce soit le PCN de Cabralibi, on n'a jamais eu une déclaration où le PCN nous informe qu'ils ont fait une demande de manifestation et on a refusé. Que ça soit au niveau du SDF, il n'y a jamais eu une déclaration de manifestation au Cameroun et on a refusé. Que ça soit au niveau de l'UPC, du PURS et ceci, ils n'ont jamais demandé une manifestation au Cameroun, on a refusé. Ce n'est pas normal que le ministre porte-parole du gouvernement, René Sadi, demande après la manifestation des Camerounais de la diaspora en Suisse, qu'on voit les personnalités de l'État, les personnalités du gouvernement venir dire, déclarer que les choses du Cameroun se règlent au Cameroun. Immédiatement, le MRC se saisit de cette affaire, profite de cette occasion et demande une manifestation et met ça sur le thème de vivre ensemble au Cameroun. De vivre ensemble. Le vivre ensemble, qui est ce thème, qui est ce mot prôné par l'État camerounais. Le vivre ensemble. Ce n'est pas le MRC qui crée ce nom. Ce n'est pas le MRC qui crée cela. C'est l'État. C'est le Cameroun qui a créé le concept au Cameroun et ça a été propagé un peu partout, le vivre ensemble. Le MRC se propose de mettre sur pied une manifestation de consolidation, de paix pour le vivre ensemble. Sachant que, pas plus tard qu'une semaine, le ministre René Sadi venait de dire les affaires du Cameroun se règlent au Cameroun. Que ce n'est pas en Europe qu'on manifeste. Ça, c'est une parole qu'on a l'habitude de nous dire. Ce n'est pas en Europe qu'on manifeste. Alors, que ça soit un piège, mais ça veut dire que vous êtes tellement stupide de tomber sur un piège pareil. Vous ne pouvez pas vous dire ceci le matin et vous de dire dans l'après-midi. Alors, je demande à l'État camerounais. Je ne sais pas s'ils sont conscients. On ne peut pas autoriser une manifestation en Balmayo. On ne peut pas autoriser une manifestation au nord. On ne peut pas autoriser une manifestation au sud. Une manifestation qui prône le soutien au président de la République, M. Biya. On accepte. Là, il n'y a pas de coronavirus. Là, il n'y a pas de propagation du virus. Du coronavirus. C'est comme si ces manifestants sont anti-Covid et que les manifestants du MRC sont, on les a diagnostiqués de cette maladie qui est le coronavirus. Deux poids, deux mesures. Ou vous interdisez toutes les manifestations au Cameroun et tout le monde est d'accord. Ou vous laissez tous les partis politiques. Ça devient un harcèlement. Ça devient même de la méchanceté. Vous avez un choix. Soit il faut dissoudre le MRC et on n'en parle plus. Parce que ce que vous êtes en train de vouloir créer au Cameroun, si on n'en parle pas, vous allez dire les intellectuels africains et les intellectuels camerounais n'en parlent pas. Ce que vous voulez créer au Cameroun, c'est le Rwanda bis. C'est la rwandalisation que vous voulez créer au Cameroun. Parce que de plus en plus, quand j'écoute les... Parce que peu importe, on va beau dire, oh, le MRC appartient au Bamileke. Mais le MRC appartient au Bamileke.
le président du MRC est de l'Ouest. Est-ce que quand on regarde ceux qui soutiennent le président Biya, beaucoup sont du centre? Est-ce que ça pose un problème? Quand on regarde ceux qui soutiennent Cabral Libi, beaucoup sont du Bassa, ça, est-ce que ça dérange qui? Quand on regarde ceux qui sont même là où John Fundi a même tous les députés, c'est pas dans les autres anglophones, ça dérange qui? Pourquoi pour Kamto va déranger des gens? Et quand on voit ça, aujourd'hui, quand j'écoute, quand j'entends le Bamiléké à l'heure actuelle, l'homme de l'Ouest à l'heure actuelle, se radicalise de plus en plus. Et ce que vous voulez créer au Cameroun risque d'être grave. Il est temps. On est encore en train d'interpeller ce gouvernement. On est encore en train d'interpeller ce gouvernement. On interpelle encore ce gouvernement. Il est temps. Asseyons-nous et discutons. Le président Biya n'est pas un roi. Le président Biya, même un roi, on voit un roi. Le président Biya n'est pas un dieu. Il est un être humain. Quand un peuple pleure, quand les enfants d'un peuple pleurent, quand les enfants d'un peuple interpellent un chef de l'État, ce dernier peut avoir, comme vous avez l'habitude de dire, la magnanimité du chef de l'État, qu'il ait au moins cette magnanimité de rencontrer son peuple. Un peuple ne peut pas aller, vous allez beau dire, c'est la base, c'est les gens de l'Ouest, peu importe, ils sont Camerounais. Ils sont allés manifester à Genève. Dans cet hôtel, on a Vondo Ayoro, on a le président Biya, on a d'autres personnalités. Alors, dans tous les pays du monde, quand une foule, des ressortissants d'un peu viennent manifester, ok, acceptons que le chef de l'État ne sorte pas. Mais qu'est-ce qui empêche à M. Vondo Ayoro, qui fait partie de la délégation, de venir discuter avec les Camerounais? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui donne autant de culot? Qu'est-ce qui donne autant de mépris à ce genre-là? Je prends l'exemple d'hier. Les Bobby Tana sont allés organiser, les femmes indignées ont organisé une manifestation devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Ils disent qu'ils sont venus parler à l'ambassadeur. Ils veulent parler à l'ambassadeur. Qu'est-ce qui empêchait à l'ambassadeur de sortir de son bureau pour venir voir les Camerounais? Surtout qu'il a dit, il tend la main. Surtout qu'il a dit qu'il est venu pour la paix. Et la paix, là, se limite comment? À quel niveau? C'est trop de condescendance. C'est trop de mépris. Et c'est le mépris qui a amené la guerre au Rwanda. C'est le mépris qui fait en sorte qu'aujourd'hui, dans le Nozo, on a ce qu'on a là, dans le Nozo. Chaque jour, vous allez vous radicaliser de ne pas écouter les Camerounais. Vous allez trouver aussi un peuple qui se radicalise. Est-ce que c'est ce que vous voulez au Cameroun? Depuis le refus de la manifestation du MRC au Cameroun le 25, prenez-le la peine. Parce que je sais qu'au Cameroun, c'est l'un des rares pays où le digital n'intéresse pas encore le peuple. Parce que quand vous regardez au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout, ils ne s'amusent pas avec les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'au Cameroun, on est encore à l'état archaïque, on est encore à l'état jadis, on ne s'intéresse pas aux réseaux sociaux, on s'intéresse aux réseaux sociaux juste pour faire des clashs. Juste pour faire des clashs. Mais si vous regardez les réseaux sociaux, vous écoutez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle, je peux vous garantir que ça soit la basse, que ça soit les ressortissants de... Moi, je n'irai même pas sur tous les Camerounais. Je resterai sur les ressortissants de l'Ouest. Ils sont en train de se radicaliser. Et avec la dernière énergie. Et avec la dernière énergie. Je ne sais pas si vous avez le pouvoir. Je ne sais pas sur quoi vous comptez pour stopper ce peuple qui est décidé, qui estime qu'ils sont marginalisés. Pas seulement eux maintenant, parce que quand on regarde tout ce qui se passe, pourquoi interdire au MRC de marcher? Surtout que vous demandez aux Camerounais de ne plus marcher à la diaspora, que c'est au Cameroun qu'on marche. Un parti politique demande donc de marcher au Cameroun, il y a interdiction.
ce n'est pas normal. Vraiment, vous allez toujours dire, peuple camerounais, les intellectuels camerounais ne font rien, les intellectuels camerounais ne disent rien, mais quand on parle, quand on interpelle l'État, et que l'État est sourd, et que l'État n'écoute personne, que l'État fait comme si personne n'a parlé, vous voulez qu'on fasse quoi? Quand tu interpelles l'État, tu demandes à l'État d'écouter son peuple. L'État, c'est comme si tu n'as rien dit. À un certain moment, tu restes un observateur, tu fais quand même ton job, tu viens faire des directs comme ça pour sensibiliser, pour demander à l'État d'écouter son peuple. Moi, je ne comprends pas les Camerounais qui s'assoient tous les jours pour dire le chef d'État n'est pas obligé de recevoir, le chef de l'État n'est pas ceci. Mais ils vivent en France, ils vivent en Europe, ils sont dans ce pays. J'ai quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure que, voilà, malgré les manifestations en France, Macron n'est pas en train d'écouter l'État français, Macron est en train d'imposer le pass sanitaire. Mais avant que Macron arrive sur le pass sanitaire, des négociations et des négociations. Quand ça vous arrange, vous prenez l'exemple de la France. Quand ça ne vous arrange pas, vous dites que la France n'est pas le Cameroun. Alors, sachons ce que nous voulons. Quand ça ne vous arrange pas, vous dites qu'on ne peut pas prendre ce que la France fait pour amener au Cameroun. Quand ça vous arrange, vous prenez les exemples de la France pour édifier le peuple camerounais. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ayez pitié de nous. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous avez poussé les Camerounais à nous manquer de respect. Aujourd'hui, quand tu veux parler, on te traite de docteur Bakata, de ceci et de cela, comme si on ne contribuait pas à l'évolution de notre pays. Mais nous contribuons énormément, mais nous avons un régime en place buté, un régime en place qui n'écoute pas, un régime en place qui est sourd, un régime en place qui ne veut rien entendre. Et quand on ne veut pas entendre, quand on ne veut pas écouter, on se retrouve face à un peuple radicalisé. J'interpelle encore ce gouvernement. Laissez le MRC organiser des manifestations au Cameroun. Vous avez demandé au Cameroun, aux Camerounais de venir manifester au Cameroun. Alors, c'est quel genre de Camerounais vous demandez? Parce qu'en même temps, vous demandez cela et vous dites tous les jours, vous faites vos conneries là-bas en Europe. Venez faire ça au Cameroun ici. C'est comme si ça vous êtes en train de dire, parce que quand vous parlez comme ça, vous n'êtes pas en train d'interpeller les Camerounais, mais vous menacez les Camerounais que si vous venez ici, on vous arrête. Vous-même, vous donnez l'image d'un Cameroun de dictature, d'un Cameroun de la dictature, ce qui n'a même pas, ça dit, on ne dit pas ça. Évitez d'interpeller les Camerounais pour dire aux Camerounais, venez marcher au Cameroun. Si je viens marcher au Cameroun, ça veut dire que j'ai la liberté de marcher. Alors, ceux qui sont au Cameroun, pour me permettre de venir marcher, puisque je ne vis pas au Cameroun, pour me permettre de venir marcher au Cameroun, permettez d'abord ceux qui sont là sur place, qui marchent, pour que moi, je quitte à l'extérieur pour venir marcher au Cameroun. Il y a ceux qui sont sur place, ont envie de marcher. Mais vous ne permettez même pas à ceux qui sont sur place de marcher. Et vous demandez à celui qui est à distance de venir marcher. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Le pays là vous appartient seul. Le pays là vous appartient uniquement. Le pays là nous appartient tous. Et aux Camerounais de la diaspora qui estiment que le combat ne les concerne pas.
vous n'êtes pas en train d'aider le Cameroun. Vous pensez que les revendications des autres sont des revendications d'une personne. Vous pensez que quand je demande un état de droit au Cameroun, c'est parce que j'ai envie d'avoir la liberté dans mon pays. La même façon, la preuve en est que j'ai apporté mon soutien ou pas à Norane Foster, elle qui est députée. Quand il a fallu que le policier doit Norane Foster, députée de la nation, et dit « Député mes couilles ». Vous pouvez imaginer un Camerounais qui n'a pas de statut, qui n'a pas de matricule. Norane Foster est députée. Hein? Elle est députée. Hein? Mais nous avons vu un policier, un inspecteur de police. Il a doigté Norane Foster, il a dit « Député mes couilles ». Vous imaginez donc le respect. Tout dans ce pays est encore à quel niveau? Chacun fait ce qu'il veut. Vous allez interpeller la diaspora. Vous allez condamner la diaspora. Vous allez dire à la diaspora, vous souillez le Cameroun, vous souillez ceci. Mais vous faites quoi pour éviter que la diaspora souille le Cameroun? Et la diaspora souille le Cameroun dans quel sens? Est-ce parce que la diaspora revendique un état de droit au Cameroun? Est-ce parce que la diaspora demande à Paul Biya, président du Cameroun, de venir discuter? Le président Biya ne rencontre personne. Les ministres ne rencontrent personne. Les délégués, les ambassadeurs, personne. L'ambassadeur de Cameroun à Paris, il estime qu'il est là pour tendre la main aux Camerounais, mais il est dans son bureau. Il estime que les Camerounais viennent manifester pour comprendre pourquoi le passeport a été augmenté. Devant son ambassade, il est assis à l'intérieur, il ne sort pas, il est dans son bureau. Vous voulez donc que ce peuple discute dans quel sens? Quand vous ne permettez pas au peuple de venir dialoguer avec vous. Anango est venu demander, est venu faire allégeance par rapport aux propos. Mais nous avons vu la déclaration de l'ambassadeur dans son interview la dernière fois, son interview, où il présentait, oui, il y a des gens qui ont insulté le président, mais ils sont venus ici demander, est-ce qu'il avait besoin de dire cela? Quand on est là pour prôner la paix, quand on est là pour prôner le vivre ensemble, il y a des choses qu'on ne dit plus quand quelqu'un vous a fait allégeance. De l'autre côté, il y a un peu qui demande seulement le dialogue. Ça vous coûte quoi de venir dialoguer avec le peu? Ça vous coûte quoi? Ça enlève quoi? Monsieur l'ambassadeur du Cameroun à Paris, ça enlève quoi sur votre grade d'ambassadeur? Ça enlève quoi sur vous? Si vous venez rencontrer vos frères, vos soeurs, vos enfants et poser la question à vos enfants, vous voulez quoi? Venez vous asseoir, on discute. Ça va enlever quoi sur vous? Ça va enlever quoi sur vous? Ça va enlever quoi? Parce qu'à l'heure actuelle, je vois des gens, les écans qui se disent que non, nous, on ne va pas se laisser faire. Mais si vous dites que vous n'allez pas vous laisser faire, vous pensez que le Bamileke va se laisser faire à l'heure actuelle? Vous pensez que le Bassa va se laisser faire à l'heure actuelle? Vous pensez que le Douala va se laisser faire? Ah, ceux qui veulent se laisser faire vont se laisser faire. Mais le peuple se radicalise de plus en plus. Le peuple se radicalise de plus en plus. Écoutez le cri du peuple. Écoutez les pleurs du peuple. Le peuple quémande un rendez-vous avec une autorité de son pays. J'entends des gens dire, ça dépend de qui vous mettez dans le peuple. Le peuple, c'est toi, moi, d'autres. C'est ça le peuple. On n'est pas obligé d'être le même bord. On n'est pas obligé.
Ici, même ici en France, tu écris à Macron. Tu n'es pas peut-être sûr d'être reçu par Macron, mais son cabinet va te recevoir. Au Cameroun, je ne comprends pas Cabral Libi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas Serge Espoir Matomba. Je ne comprends pas Joshua. Je ne comprends pas. Je ne peux pas accuser Kamto dans ce sens. Parce qu'il fait bouger les choses. Il demande au moins des manifestations. Il demande au moins les marches. Cabral Libi demande aux gens juste d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Pour lui, là, c'est tout ce qui l'intéresse. Aller s'inscrire sur les listes électorales. Et après 2025, quand les Camerounais auront inscrit leur nom dans les listes électorales, et Biatte gagne encore, tu vas dire quoi? Pendant ce temps, on aura encore donné 7 ans. Si tu ne prépares pas ton lit à l'heure actuelle pour mieux dormir en 2025, tu estimes que c'est en 2025 que tu vas préparer ton lit? Si tu n'interpelles pas ce régime à l'heure actuelle, si tu ne secoues pas ce régime à l'heure actuelle, tu demandes juste aux Camerounais, allons s'inscrire sur la liste électorale. On dit souvent, pour mieux dormir le soir, prépare bien ton lit. Tu le sais très bien, que peu importe les réunions sur la révision du code électoral, tu vas prendre ça pour aller discuter, débattre à l'Assemblée nationale, tu n'auras jamais gain de cause. Le régime Biya est conscient qu'une élection libre et transparente au Cameroun, le NDPC ne peut pas gagner. Ça, c'est sûr. Une élection libre et transparente au Cameroun, le NDPC ne peut pas gagner. Pourquoi interpeller toujours les Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales? Les vrais problèmes s'obtiennent par la marche. Les vrais problèmes s'obtiennent par le bras de fer. Il faut faire plier ce régime. Mais quand on ne fait pas plier ce régime, on devient complice de ce régime. Et voilà ce que le peuple accuse, demande à Cabral Libi, à Joshua Oshi, au PCN, au SDF, au PURS, à l'UDC, aux autres partis politiques. Parce qu'il faut le reconnaître jusqu'à présent. Le seul parti politique, oui, je ne vais pas accuser le CPP parce que le CPP fait aussi des efforts. Demande des manifestations qui ne sont pas autorisées. Donc, s'il y a des partis qui, on voit quand même qui demandent des manifestations au Cameroun, il y a le CPP de Kawala, il y a le MRC de Kamto. Alors, le PCN n'a pas de problème. Le PCN ne voit pas les problèmes au Cameroun. J'ai vu tout à l'heure un communiqué publié que l'honorable Cabral Libi va aller rencontrer le responsable de trucs à l'aéroport par rapport aux trucs qui ont été... Voilà les actes de Cabral. Aller toujours faire des trucs isolés, individuels, aller ceci. Mais avec un collectif, ça aurait été plus important. Avec un collectif, c'est plus facile. Tu penses que seul, en allant là-bas rencontrer le responsable, tu vas faire ton one-man show, vous allez vous asseoir, vous allez débattre. Tu as ramené cette affaire à l'Assemblée nationale. Tu as été très éloquent. Tu as parlé au ministre de l'Habitat, de ceci. Tu as parlé à l'Assemblée nationale, là où on vote les lois. Là, le résultat, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit là-bas? Si à l'Assemblée nationale, le ministre en question était devant toi, tu as parlé très éloquemment, on a apprécié. La réponse, c'était quoi? Maintenant, tu finis là-bas, tu vas rencontrer le responsable de truc au niveau. On a l'impression que tu fais tout pour toi étoffer ton carnet d'adresse, pour toi étoffer ceci et cela. Ce n'est pas ça qui vote au Cameroun. Tu vas beau aller rencontrer le responsable, tu vas même beau reloger les responsables, tous ces habitants qu'on a délogés vers l'aéroport. Il faut comprendre que ce n'est pas le peuple qui vote au Cameroun. C'est Elekam qui vote. C'est Elekam qui vote au Cameroun. C'est Elekam qui vote. Ce n'est pas le peuple qui vote. Tout le monde est conscient qu'une élection libre et transparente au Cameroun, le NDPC ne gagnera pas. Donc ce n'est pas le peuple qui vote. Donc toujours cette affaire de dire que non, allons s'inscrire sur les listes électorales. Allons faire ceci. C'est bien beau.
On peut demander aux Camerounais d'aller s'inscrire, mais ce n'est pas la seule action qui est qui peut fléchir le RDPC. D'ailleurs, cette action encourage. Parce que ce n'est pas toi de demander au peuple d'aller s'inscrire. Le peuple contribue à la redevance audiovisuelle. On a vu ça partout. Vous pensez que ça empêche ça ne passe au RDPC d'aller voir la CRTV, Equinox, Canal 2 et tout ceci et demande à la CRTV de passer tous les jours les messages comme quoi allez vous inscrire sur les listes électorales. Pourquoi ne le font pas? Pourquoi ne le font pas? Pourquoi toi tu vas le faire? Ils ont les moyens financiers, matériels, tous les moyens pour réquisitionner les médias et faire passer le message. Tu penses que si le RM et l'ECAM, l'État, va au niveau de Equinox, demande à Equinox qu'il faut interpeller les Camerounais tous les jours, de demander aux Camerounais d'aller voter. La CRTV qui est un média d'État, qui est ce média-là qui fait la propagande de l'État, ça va empêcher l'État, à la CRTV de demander aux Camerounais d'aller s'inscrire tous les jours sur les listes électorales, que voter est un droit. S'inscrire sur les listes électorales, c'est un droit. Est-ce que tu penses que ça empêche? Mais ils ne veulent pas le faire. Parce qu'eux-mêmes, ils sont conscients que s'inscrire sur les listes électorales, ils ne tiennent pas compte de ce qui entrera dans les urnes. Parce que seuls les PV de l'ECAM feront foi. Alors, tu penses que c'est après 2025. L'élection de 2025. Parce que là, on ne parle pas des élections de députation ou bien des mairies. Ça, c'est l'élection présidentielle. En 2025, où on vote le chef de l'État. La dernière fois, tu as dit, tu as voulu utiliser, ça c'est un message que je m'adresse entre parenthèses à Cabral, que tu as voulu utiliser le bidon de sens. Là, c'était les élections législatives et législatives. Hein. Là, bien, ça ne t'intéresse pas bien. Hein. Mais présidentielle, c'est là que tu vois le voirat. C'est là où tu comprends que on ne blague pas. Là, tu comprends qu'on ne blague pas. Il y a un seul candidat. Parce qu'au niveau des législatives et municipales, il y a d'abord une guerre entre les membres du RDPC et tout. Donc, il y a une guerre entre eux là-bas. Ce n'est pas trop peu, ça n'a pas trop d'enjeu. Mais là où il faut un candidat, une personne qui doit diriger le Cameroun. Dès qu'on a dit, et c'est ce candidat qui nomme tout ce beau monde là. C'est ce candidat qui nomme tout ce beau monde là. Ils vous disent que c'est eux qui ont gagné. On a dit que quand toi est venu avec eux, il n'est pas venu avec un avocat, il est venu avec l'avocatier. Ça a fait quoi? Toi, tu as dit que ça ne servait à rien d'aller là-bas. En 2025, ça servira à quelque chose d'y aller. S'il y a élection en 2025 et que le RDPC procède de la même façon, tu vas aller au Conseil constitutionnel? Posons-nous les questions vraiment, les frères. Vous avez la possibilité. Vous avez l'aura. Vous êtes des leaders aujourd'hui. Travaillez pour le peuple. C'est tout ce que le peuple vous demande. Arrêtez de penser que les gens se battent pour mettre Kamto au pouvoir. Non. En tout cas, vous connaissez ma position. Je ne me bats pas pour mettre Kamto au pouvoir. Je me bats pour que le meilleur, si Kamto est candidat, il est meilleur, les Camerounais vont voter, il va gagner. Si Cabral est meilleur, les Camerounais vont voter, il va gagner. Le combat qui est à l'heure actuelle n'est pas un combat pour mettre un individu. Parce que j'entends toujours, vous vous battez pour mettre Kamto au pouvoir, vous vous battez, il fait comment pour arriver au pouvoir? Il va se passer, il veut pas aller être au pouvoir. La revendication, c'est le dialogue. Un dialogue national inclusif. Le cessez-le-feu dans le Nozo. La révision du code électoral. Où est-ce qu'on revendique pour installer Kamto au pouvoir? Mais les gars, arrêtez ce côté condescendant. Descendez, écoutez le peuple. Je sais que les réseaux sociaux, ce n'est pas pour vous. Je sais que le Camerounais lui-même, ce n'est pas un problème.
Je sais que le Camerounais adore plus le japap. Le Camerounais adore plus quand tu viens faire le japap, quand tu viens faire ceci. Quand il s'agit des débats intéressants, quand il s'agit des débats de société, quand il s'agit des débats pour faire avancer notre société, ça ne les intéresse plus. Parce qu'il s'agit de la tête de Jean Crépin. Ah non, lui là, il est un proche Cabral. Non, lui là, il est un activiste. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ma tête qui doit vous intéresser. C'est ce qui sort de ma bouche qui est important. Ma personne n'est pas importante. C'est le Cameroun qui est important. Ma personne n'est pas importante. C'est le Cameroun qui est important. Donc, j'interpelle l'État camerounais. Et je dis aux Camerounais qui pensent que les intellectuels ne font rien. Nous bavardons, nous parlons. Nous disons ce qu'il faut faire. Mais ces gens-là n'écoutent pas. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, vous avez tous vu, dans un pays comme le Cameroun, au 21e siècle, un débat télévisé sur STV. Elimbi Loubé, Hervé Kong. Elimbi Loubé vient se présenter. Je suis Elimbi Loubé, je suis ceci, je suis cela. Je suis de père et de mère. Seigneur, au 21e siècle, on voit un professeur d'université qui dit qu'il n'y a pas de cham au Cameroun. Même s'il n'y avait pas de cham au Cameroun. Même s'il n'y avait pas de cham au Cameroun. Nous demandons l'Union africaine. Et dans l'Union africaine, nous chassons les Africains. Kémi Séba. Kémi Séba a été expulsé du Sénégal vers la France. Kémi Séba a été expulsé du Sénégal vers la France. Tout ceci arrive toujours en Afrique. Au fait, tous ceux qui viennent revendiquer certaines choses, retourner en Europe là-bas, aller revendiquer ça en Europe là-bas. Nathalie Niem, porte-parole du président des leaders, Mamadou Koulibaly, expulsé de la Côte d'Ivoire vers l'Europe. Je n'ai jamais entendu qu'un Français a été expulsé de la France parce qu'il a pris une nationalité africaine. Jamais entendu. Jamais entendu. Chez nous, quand tu revendiques, on sort ta nationalité. Et Hervé Kong, on a interdit à Hervé Kong la dernière fois, parce qu'il a une double nationalité, parce qu'il est français, qui ne peut pas être candidat ceci. C'est lui, Hervé Kong, qui vient demander la nationalité de Calibri. Seigneur. Et nous sommes en train de prôner le vivre ensemble au Cameroun. Et nous laissons les médias accepter ça. Nous ne sommes pas en train de faire un bon travail. Ce que nous sommes en train de construire dans notre pays va nous dépasser. Ce que nous sommes en train de construire au Cameroun, ça va nous dépasser. En tout cas, j'ai toujours été cohérent dans ma façon de faire. J'ai toujours dit, je laisserai des traces de mon parcours de combattant. Je n'ai pas de parti politique à l'heure actuelle. Le seul combat que j'ai, c'est la mise sur pied d'un code électoral consensuel. C'est la révision donc, de ce code électoral. C'est l'arrêt des hostilités dans le NOSO. C'est un dialogue national inclusif. C'est l'arrêt
des intimidations des Camerounais. C'est la libération des prisonniers politiques dans la marche de 22 septembre. Tout ceci concourt à la paix dans mon pays. Si tous ces ingrédients ne sont pas mis sur pied, il sera difficile de parler paix dans un pays pareil. Une minute, s'il vous plaît. Nous prenons le vivre ensemble, mais nous chassons le vivre ensemble. On a vu des vidéos au Cameroun. Vous aviez attribué ces vidéos. Vous aviez attribué ces vidéos au Mali. Aujourd'hui donc, le Malien vient donc dire que comme le Cameroun est déjà le Mali, il vient revendiquer, vous dites que non, il n'est plus Camerounais, il est Malien. Mais puisque vous-même vous confondez le Cameroun et le Malien aussi te confond entre ceci et cela. Ces propos, et je vous dis toujours, j'ai toujours l'habitude de prendre la Côte d'Ivoire. C'est ce problème qui a amené père et mère. Père et mère, l'ivoirité. De père et de mère. Calibri est Camerounais. Son papa qui n'est pas Camerounais, mais sa maman est Camerounaise. Il est comme d'autres personnes, comme moi par exemple au Cameroun. J'ai des origines d'un côté et de l'autre côté. Peut-être pas hors du Cameroun, mais voilà. Puisqu'aujourd'hui, on a l'impression que le Camerounais, il est, c'est-à-dire, de père et de mère du Cameroun. Quand on regarde même l'histoire du Cameroun, quand on regarde, on a dit, oh, quand on retrouve les écans, tu trouveras les écans en Guinée équatoriale, tu trouveras les écans qui sont des femmes au Gabon, tu trouveras en République centrafricaine, tu vas faire comment? Ces problèmes se sont posés aussi en Côte d'Ivoire, où tu trouvais des gens au Ghana, tu trouvais ceci. Ça a posé un problème énorme. Pour tous ceux qui ont regardé les débats à la CPI, quand Laurent Gbagbo était à la Cour pénale internationale, il fallait voir qu'il y avait une similitude. Aïdjo, qui était le président du Cameroun, il était Camerounais 100%. Est-ce qu'il était Camerounais 100%? Ce genre de débat ne devait pas exister. Tout ce qui doit nous intéresser, on fait comment pour s'entendre? Tout ce qui doit intéresser, c'est que vous avez une partie du peuple qui veut discuter avec vous. Une partie du peuple, même si vous estimez que c'est 10%. Ils se sont levés, ils sont venus à Genève. Et j'entendais seulement scander, nous voulons parler à M. Biya. Vondo Ayolo est directeur de cabinet. Il pourrait bien se descendre. Venir voir son peuple. Discuter avec son peuple. Ça coûte quoi à Vondo Ayolo de venir s'asseoir pour discuter avec son peuple? Ça coûte quoi? Hier, les femmes indignées ont manifesté pour le problème de l'augmentation de prix de passeport devant l'ambassade. Ils ont dit qu'ils ont un mémorandum à remettre à l'ambassadeur. Au moment où ils se lèvent pour aller remettre le truc, la police dit vous ne passez pas. L'ambassadeur estime qu'ils ne peuvent pas passer. Les femmes là ne peuvent pas passer. Mais vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi au juste? On trouve de l'autre côté des Camerounais fascistes. Quand au Cameroun,
Les gens se lèvent pour marcher en bas de maillot. Ils n'ont pas de coronavirus. Il n'y a pas de mesures sécuritaires. Ah non. Eux là sont en train de soutenir le président de la République. Donc ils ont droit. La dernière fois, le 14 juillet, la fête de l'indépendance de la France, les Français ont fait des parades au Cameroun. Ah non, c'est la France. Ils n'ont pas de coronavirus. Eux peuvent faire une parade. Ah non, comme ceux-là, ce sont des gens de l'Ouest. Non, eux, ils dorment avec les porcs. Eux, ils sont sales. Quand eux, ils vont marcher là, ils vont propager le coronavirus dans le Cameroun. On ne fait pas ça. 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 C'est ça qui apporte des problèmes dans un pays. On ne fait pas ça. Si ce peuple se radicalise aujourd'hui, vous en serez responsable. Ne dites pas que les gens n'ont pas parlé. Ne dites pas que les intellectuels camerounais n'ont pas parlé. Parce qu'on a fait assez de live. On a assez écrit. On a assez interpellé. Pour ce cas, moi, vous faites comme si vous n'entendez rien. Le jour où ça va se gâter, ne dites pas que vous n'étiez pas au courant. Ne dites pas que vous n'avez pas vu. Ne dites pas que vous n'avez pas entendu. Moi, je fais ma part. Moi, je fais ma part. Ne dites pas que vous n'avez pas entendu. Parce que si vous regardez, depuis l'annonce du fait que le MSC ne va pas manifester le 25, et surtout que vous avez demandé aux Camerounais que tout se passe au Cameroun. Si vous voulez manifester, venez manifester au Cameroun. Et que vous refusez qu'ils manifestent au Cameroun. Ceux qui sont d'abord, permettez à ceux qui sont au Cameroun de manifester avant que ceux qui sont à la diaspora de venir manifester au Cameroun. Acceptons même que la base, c'est le MRC. Je vous le concède. La maison mère de la base, c'est au Cameroun, c'est le MRC. Ils vont demander à la ramification en France, en Europe, ne marchez plus. On nous a autorisé de marcher au Cameroun. Acceptons donc que la maison mère, qui est le MRC, marche au Cameroun. Acceptons. Puisque on va beau crier que la base n'est pas du MRC, vous allez dire qu'ils sont du MRC. On accepte. Je pense qu'ils acceptent ça. La ramification donc. La maison mère de la base, c'est au Cameroun, qui est le MRC. Ils veulent marcher. Comme ça, comme ils vont marcher au Cameroun, ils vont demander à la branche qui est à l'étranger de ne plus marcher. Maintenant, la maison mère veut marcher. Vous dites que non, ils ne marchent pas. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Si parler comme ça, c'est mal parler, je ne sais plus comment parler. Si accepter que le 14 juillet, les Français manifestent au Cameroun pour fêter le 14 juillet, ne donnait pas le coronavirus, ah non, eux ils sont propres, ils sont vaccinés, ils n'ont pas de coronavirus. Si accepter que les Camerounais de Balmayo manifestent parce qu'eux soutiennent Biya, ah non, eux ça c'est les Camerounais de Balmayo, c'est les Camerounais du centre, ils soutiennent Biya, non, eux sont vaccinés, ils n'ont pas de problème. Si refuser que les Camerounais du MRC, ah non, tous ceux qui viennent de l'Ouest dorment avec le porc, est sale, comme vous appelez, comme vous avez l'habitude de dire, ils sont sales. C'est le porc, c'est les cochons, ils sont sales, donc ils vont propager le coronavirus, ah nous on n'en veut pas. Donc, eux, ils ont le coronavirus, ça là. Ce que vous avez commencé, vous n'allez pas stopper ça. Il est temps d'arrêter cela. La prochaine marche que vous allez, ils vont faire organiser. Vous allez encore faire des sorties pour dire aux Camerounais venez marcher au Cameroun. Quand le MSC qui est au Cameroun veut marcher, vous empêchez au MSC de marcher. Les autres partis, je n'en parle pas.
Parce qu'ils n'ont jamais demandé une marche au Cameroun. On ne sait pas si on va refuser ou on va accepter. Le plus, je ne sais pas combien de militants le plus a. Même si c'est 10 militants, même si c'est 15 militants, mais le plus n'a jamais demandé une manifestation publique, on a refusé. Le PCN de Kabra Libi n'a jamais demandé une manifestation publique, on a refusé. Le SIF n'a pas demandé une manifestation publique, on a refusé. Essayez aussi pour voir si on va refuser. Je sais que Kawala a pu demander, on a refusé. Elle a essayé de faire le bras de fer, on a arrêté ses militants. Vous aussi essayez. Alors, pour cette raison, je dis, je suis d'accord avec Maître Sim qui a dit, maintenant, organisons une manifestation, des contre-manifestations. Là, on n'a pas besoin d'autorisation. Ça, c'est, on appelle ça les manifestations spontanées. Ça existe dans le code électoral, dans la constitution d'un pays, qu'on appelle les manifestations sans déclarer, qui se lèvent le matin, voilà. Vous voulez faire les omelettes sans casser les œufs? Vous voulez arracher la démocratie sans laisser les blessures? Je vous le dis clair et net, moi je suis pour Biya. Je suis président de la République. Je vois comment l'opposition se comporte. Ah non, moi je ne bouge pas. Je ne vous donne pas. Moi, je ne vous donne pas le pouvoir. Je ne vous donne pas. Je vais rester là, je vais m'asseoir. Parce que je vois que vous êtes... chacun veut juste faire son show. Chacun veut juste regarder son intérêt personnel et tout. Ne pas regarder l'intérêt de la nation. Et c'est ça qui va tuer notre pays. Mais je vous dis tout simplement, avec ce que je vois, avec ce que je lis, avec ce que j'entends, ce n'est pas bon pour ce qui arrive les jours à venir dans notre pays. Ce n'est pas bon. Je vous dis encore, les ressortissants de l'Ouest sont en train de se radicaliser. Donc, vraiment, aidons-nous à trouver la paix, à demander à ces gens qui sont assis sur le trône, qu'il y a aussi des gens qui ramassent les miettes qui tombent par terre. Et que de temps en temps, ils ne doivent pas laisser seulement les miettes, mais ils doivent laisser parfois un pain tomber. Ne pas toujours laisser les miettes tomber. Parce que ceux qui sont assis sur le trône, jusqu'à l'heure actuelle, ne laissent jamais une baguette tomber. Ils laissent toujours les miettes. Et ceux qui sont en bas ont faim. Là, ils ont soif de la démocratie. Ils ont soif de la paix. Ils ont soif du dialogue, ils ont soif de ça. Et chaque fois, vous allez vous comporter comme des surhommes, parce que qui vous vote? C'est le même peuple qui vous vote, et c'est le même peuple que vous méprisez. On ne peut pas avoir gagné une élection à 71% et être autant critiqué. Mais ça interpelle. On se dit, mais il a gagné 71%. Comment il est autant critiqué? Il y a un problème. Venez discuter avec le peuple. Arrêtez d'être condescendant. Et aux partis politiques, je dis encore, Maître Sim vous a envoyé un message. Organisons une manifestation contre les manifestations au Cameroun. Une manifestation contre les manifestations au Cameroun sera intéressant. Ce genre de manifestation, on ne demande pas l'autorisation. Voilà. Donc, je dis encore aux uns aux autres, évitez de radicaliser les peuples.
ce peuple se radicalise et ce peuple va devenir encore plus dangereux. Plus vous allez inviter les gens haineux dans vos chaînes de télévision, plus le peuple va entendre ce qui sortira de leur bouche, plus le peuple va se radicaliser. Plus ce qui sortira de la bouche des membres du genre de NDPC qui ne voient pas d'erreur, qui estiment qu'ils sont dans la raison, plus le peuple va se radicaliser. Plus vous allez inviter Elie Milobe qui estime qu'elle est dans la raison, plus ce qui sortira de la bouche de Elie Milobe, plus le peuple va se radicaliser. Plus vous allez inviter Hervé Emmanuel Combe dans les médias, plus ce qui sortira de sa bouche, plus le peuple va se radicaliser. Plus vous allez inviter Onan Guinée dans les médias, plus ce qui sortira de sa bouche, plus le peuple va se radicaliser. Faites très attention. Il y a des personnes qui, quand ils sortent, quand ils ouvrent leur bouche, ce qui sort de là, ça pue. Et ça radicalise encore plus le peuple. Donc, pour moi, c'était juste ce petit message pour demander au régime, donc au président Biya et à son entourage, d'écouter le peuple, de tendre leur oreille et d'arrêter de mépriser le peuple camerounais. Ils ont été élus selon l'ECAM et selon la confirmation du Conseil constitutionnel à 71%. Et un président de la République n'est pas président d'un parti politique, mais il est le président de tous les Camerounais et écoute tous les Camerounais. Écoute tous les Camerounais. Ne pas écouter les autres Camerounais, ça sera faire preuve d'échec. C'est un échec. Vous n'êtes pas au-dessus des autres. Vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes des êtres humains. 3 mètres sur terre. Vous n'êtes pas des dieux. Et n'oubliez jamais que la retourne. Peut-être qu'aujourd'hui, nous, au niveau de la diaspora, on souffre, on vous regarde seulement. On dit ouais. N'oubliez pas aussi que la roue peut tourner. Et ceux qui sont de ce côté se retrouvent de l'autre côté et vous vous retrouvez de ce côté. Ne créez pas la haine entre des Camerounais. Écoutez le peuple. Vous venez de créer quelque chose qui énerve tout le monde. Demandez aux Camerounais de rentrer au Cameroun manifester et qu'un parti politique, en l'occurrence le MRC, demande de marcher, vous interdisez cette marche. Tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? À moins d'une semaine, 2 semaines, tout cassé. Vous demandez au peuple de venir marcher au Cameroun. Que les choses du Cameroun se règlent au Cameroun. Ça va se régler avec qui? Ça va se régler avec qui? Ça empêche quoi à Paul Biya de rencontrer Kamto? Ça va changer quoi à son statut de président de la République? Ça va changer quoi? Ça coûte quoi au secrétaire général, à la présidence, de dire que monsieur le président Kamto, le président Biya m'a mandaté de te recevoir? Ça coûte quoi au secrétaire général? Ça coûte quoi au directeur de cabinet civil de dire, monsieur Kamto, pour la paix, je veux discuter avec toi, je veux ceci? Ça coûte quoi? Ça vous coûte quoi au juste? Ça coûte quoi? Ça coûte quoi ce dialogue? Ça coûte quoi? Vous avez même poussé le Camerounais à pleurer même en direct. Ça coûte quoi? Kamto, c'est un professeur d'université. C'est un éminent professeur. Comme bien d'autres.
On ne dit pas qu'il est le seul éminent, mais recevoir Kamto, c'est un échec, c'est une injure. Il va vous retirer votre titre de ministre, ou bien de président de la République, ou bien de secrétaire général, ou bien de directeur de cabinet. Il va vous enlever quoi? Il va retirer quoi sur vous? Il va retirer quoi sur vous? Tendre la main à ton frère camerounais. Tendre la main et dire, viens t'asseoir, on discute. Enlève quoi sur toi? Enlève quoi sur toi? Je vois où c'est non-faf, où c'est bon, un faux profil. On ne reçoit pas les imposteurs. Ok, j'accepte qu'ils sont les imposteurs. Ils sont aussi imposteurs sur la nationalité camerounaise. Ça dit parfois, même quand vous venez en faux profil, posez au moins des questions intelligentes. Posez au moins des questions qui, même si vous êtes des faux profils, posez au moins des questions qui ont un sens. Quand tu dis on ne reçoit pas les imposteurs, il est imposteur de sa nationalité. Il est imposteur qu'il est chef, il est président du MRC et qu'il est à la tête de plus d'un million de Camerounais affiliés à son parti politique. Il est imposteur de ça. Il est imposteur de ça. Ce sont des gens comme vous, comme ça, qui tous les jours vous créez le conflit dans ce pays. Et peut-être tu vas me voir comme ça, c'est peut-être un ministre même. Tu vas voir maintenant, peut-être c'est un responsable dans ce pays. Parce que je sais que la plupart de mes directs, j'ai des gens, j'ai des ministres, j'ai des gens qui sont là, qui écoutent, qui suivent. Tu vas voir comment c'est un même ministre même en faux profil qui vient écrire des trucs contre pareil. La question n'est pas là. Ok, j'accepte qu'il est faux profil et qu'il est imposteur. Je te concède même cela. Mais il est à la tête d'un parti politique qui a plus d'un million d'adhérents. Donc ça veut dire qu'il a un poids politique au Cameroun. Ça veut dire qu'il est incontournable dans la négociation, dans la paix au Cameroun. Donc, qu'est-ce que vous appelez imposteur? Parfois, je vous ai toujours dit que mes directs, ce n'est pas pour des gens qui n'ont pas le cerveau. Ici, là, ce n'est pas le Japa. Quand tu viens même en faux profil, pose des questions sensées. Vous savez où aller trouver les directs où voilà, on raconte n'importe quoi. Dans mes directs là, voilà, tout est organisé, tracé et recentré. Venez avec des questions, voilà, qui contribuent au débat, qui contribuent à l'évolution, qui contribuent au dialogue dans notre pays, qui contribuent à la construction de notre pays. Venez avec des questions pareilles, même si vous êtes en faux profil. C'est ça qu'on appelle contribuer à la construction, à l'émancipation, au développement de notre pays. Tu viens, tu dis, on ne reçoit pas les imposteurs. Il est imposteur de sa nationalité camerounaise. Il est imposteur qu'il est président du MRC. Il est imposteur qu'il est à la tête d'un parti qui a plus d'un million d'adhérents de Camerounais qui se reconnaissent en lui. Quand on reste dans un débat d'idées, un débat intellectuel, venez avec les débats dans ce sens de construction. Voilà. C'est ce qui nous intéresse. C'est pas on ne reçoit pas les imposteurs. Il a imposté quoi? Il est imposteur dans quoi? Tu es plus Camerounais que lui? Il est à la tête d'un parti politique qui a plus d'un million d'adhérents. Et tu estimes qu'il est un imposteur. Il est professeur dans les universités au Cameroun. Et tu estimes qu'il est imposteur. Vraiment, élevons le débat, c'est plus important. Voilà, c'était un message comme ça pour adresser à ce faux profil. Voilà. Donc, moi, je continue pour dire, le Cameroun nous appartient tous. Le Cameroun, c'est notre pays. Construisons ce pays dans la paix, dans le dialogue, et nul n'est au-dessus de la loi. Biya n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu qu'on ne voit même pas. Biya n'est pas Dieu. Il est un être humain comme nous. Il peut recevoir les partis politiques. Kamto n'est pas président, n'est pas de l'extrême droite. Même l'extrême droite, on reçoit l'extrême droite. Même l'extrême droite, en France, dans les pays, on reçoit l'extrême droite.
Ça n'enlèvera en rien du tout à Paul Biya s'il reçoit Kamto. Ça n'enlèvera en rien du tout. Excusez-moi. Ça n'enlèvera en rien du tout si, Kamto, si un membre, le secrétaire général ou bien ceci reçoit Cabral Ibi. Ça n'enlèvera en rien du tout si il reçoit. Ça n'enlèvera en rien du tout. Toi, tu es venu, tu as dit là, ça, un poster tout, tout. Ça a enlevé quelque chose sur moi. Ça n'a rien enlevé. Rien enlevé. Vous voulez choisir qui est Camerounais, qui n'est pas Camerounais, qui doit parler au Cameroun, qui ne doit pas parler au Cameroun, qui doit être Camerounais, qui ne doit pas être Camerounais, qui doit faire ceci, qui ne doit pas faire ceci. Ce direct, c'est parce que c'est de trop. C'est de trop. Je ne suis pas membre du MRC. Mais c'est trop. C'est trop d'harcèlement sur ce parti politique. Ce n'est pas normal. Je ne peux pas parler des autres partis politiques parce qu'ils n'ont pas encore demandé des manifestations. L'un des partis qui demande constamment des manifestations, peut-être parce qu'ils ont des revendications à faire. J'attends à ce que le jour où le PCN de Cabral Ibi va demander une manifestation, on refuse. Que le SDF demande une manifestation, on refuse. Et je vais voir comment leurs militants vont réagir. Ils vont réagir comme les militants du MRC. Et pourquoi ils ne demandent même pas des manifestations au Cameroun? Pourquoi? Est-ce que tout se passe bien au Cameroun? La manifestation, c'est un droit. C'est de trop. Soit, vous avez deux solutions. Soit, il faut dissoudre le MRC. Parce que ça ne sert à rien que ce parti existe. Parce qu'un parti qui existe, qui n'a pas le droit de marcher, qui n'a pas le droit d'aller au sel, qui n'a pas le droit de brancher, qui n'a pas le droit de faire quoi que ce soit, ça ne sert à rien de garder ce parti et de compter ce parti comme étant des partis au Cameroun. Parce qu'on parle de 250 à 350 partis politiques ou 310 partis politiques ou bien 301 partis politiques. Disons qu'il y a 300 partis politiques et écartons le MRC. Ça devient de trop. Vous exagérez. Disons-nous la vérité, vous exagérez. Ce parti politique vous a fait quoi? Ce parti politique vous a fait quoi? Ils ont les militants qui sont incarcérés. Même par leurs militants, ils ont le droit de manifester. Ils ont des militants qui sont en prison. Quand toi, son porte-parole qui est en prison. Il y a un cadre de MRC qui est Fogué qui est en prison. Ils ont le droit de marcher. Si c'était Anne Fegon Noah qu'on avait arrêté pour mettre en prison, la preuve en est que la dernière fois, notre député Nouran a eu des attaques. On a vu comment les militants du MRC, du PCN, étaient blocus derrière notre député Nouran. Il y avait la solidarité de parti. Et pourquoi le MRC va être solidaire avec ces militants qui sont en prison, veut être ceci et vous les empêchez de marcher? Pourquoi? Si tu es un Camerounais, tu veux la paix au Cameroun. Si tu aimes la paix et si tu estimes que ce que le gouvernement, l'État du Cameroun est en train de faire à l'heure actuelle contre ce parti politique qui est le MRC, tu as le devoir moral, intellectuel, de dénoncer cela et de dire trop c'est trop. C'est vous qui poussez même les gens à aller s'inscrire à ce parti politique. Vous poussez tous les gens à avoir la curiosité de ce parti politique. Qu'est-ce qui est caché à l'intérieur? Pourquoi ce parti politique fait autant peur? La curiosité d'aimer ce parti politique, d'aller adhérer à ce parti politique. Pourquoi chaque sortie de ce parti politique doit faire peur? Pourquoi? Ça vous fait mal où? Vous êtes l'État? Vous avez l'armée? Vous avez l'armée? Vous avez tout pour contrôler? Ils vont faire quoi? Vous pouvez encadrer les manifestations? Vous avez tout pour contrôler? Mais c'est trop! C'est trop de violence sur ce parti, c'est trop. Arrêtez, arrêtez.
Soyez au moins honnêtes sur votre ligne directive. Vous demandez au peuple de venir manifester au Cameroun. Un parti politique dit, nous nous sommes là, nous on veut marcher depuis. Permettez-nous de marcher. Donc c'est la diaspora qui doit venir marcher. Donc vous voulez à tout prix que c'est la diaspora qui vienne marcher. Donc la diaspora a plus d'importance à vos yeux que les partis politiques au Cameroun. C'est ça? Vous donnerez une autorisation à la diaspora de marcher au Cameroun. Alors là, je pense que je pense même que le code n'hésitera pas à demander une autorisation de marche parce que le code fait partie de la diaspora. Le code n'hésitera pas à faire une demande de manifestation au Cameroun. Je demanderai aussi aux autres partis politiques que la base fasse pareil, que le CCD fasse pareil, que les autres partis fassent pareil, les associations, que Maître Timban de la société civile fasse pareil, puisque on estime que c'est la diaspora qui doit venir manifester au Cameroun. Alors, je demande au président d'association, à la société civile qui sont de la diaspora, de demander d'adresser une autorisation de manifestation au Cameroun au préfet et sous-préfet. On va laisser les partis politiques maintenant. C'est la diaspora qui va demander des manifestations au Cameroun. Puisque c'est ce qu'on nous revendique. Donc, que la diaspora prenne ses responsabilités pour demander l'autorisation des marches au Cameroun. Je pense que c'est une bonne solution aussi. Puisqu'ils demandent de le faire, ils demandent de venir manifester au Cameroun, c'est une bonne idée. Donc, au CCD, à la base, au Côte, au Kamdia, Bobby Tanap, Femmes Indignées, les Amazones, je ne sais pas, le Don Kwata, United Cameroun, tout ça là. Que chacun écrit et publie sur les réseaux sociaux qu'il a demandé une autorisation de marche. Et si vous avez des représentants au Cameroun, peut-être par le biais de Maître Sim, par le biais de Maître Alice Com, tous ceux qui ont des représentants au Cameroun, écrivent et envoient là-bas, on demande l'autorisation de marcher au Cameroun. Voilà. Ça va régler le problème. Peut-être qu'ils n'accordent pas d'importance aux partis politiques, à la société civile au Cameroun. On ne veut pas qu'eux marchent. La diaspora, sûrement. Voilà. Tu signes. Je donne le code de ma l'autorisation. De voilà, tout. Tel jour signé. Le docteur Jean Kepin Sauté-Niamsi, membre du code vivant la diaspora. Ça, c'est une bonne idée. Calibo de la base. Général Robert Wanto du CCD, de Femmes Indignées, Je pense que en faisant ça, sûrement, on va accorder l'autorisation de marcher au Cameroun, puisque c'est à la diaspora, le message est tout le temps envoyé à la diaspora, on demande à la diaspora de venir marcher au Cameroun. Donc c'est une occasion, ils nous ont tendu la main, alors saisissons cette main tendue par le ministre Emmanuel René Sadi, par les gens qui demandent au Cameroun que les affaires du Cameroun se règlent au Cameroun. Nous avons saisi l'opportunité, saisissons cette opportunité, allons demander les autorisations de marcher au Cameroun et ce qui est sûr, on doit nous répondre. Hein? Donc, voilà, c'est pour moi, c'est très important. C'est très important. Voilà, c'est ce que je voulais, et je parlais comme ça, et cette idée de permettre à la diaspora d'aller demander l'autorisation de marcher au Cameroun est encore plus édifiant. Voilà, on dit souvent à force de parler, il y a Dieu qui t'inspire et qui te donne la sagesse de proposer, de faire des solutions. Donc, j'interpelle donc aux différentes associations, le CCD, le CODE, la BAS, Kamdiak, les Femmes Indignées, Bobby Tanab, Amazon, les Don Kwata, United for Cameroun, toutes ces associations, je vous demande, allez demander les France Union, Jeman, mais est-ce qu'ils vont partir ici? Ils ont des représentants au Cameroun, on va envoyer, via par les avocats, ils vont aller déposer ça dans les différents secteurs. Le code peut demander de manifester à Douala, le CCD peut demander de manifester à Yaoundé, United for Cameroun peut demander de manifester à Bafoussam,
les femmes indignées peuvent demander de manifester dans le nord-ouest. Ils vont se disperser dans, c'est-à-dire en une journée, ils vont avoir l'autorisation de manifestation sur tout l'étendue du territoire camerounais. Voilà. Qui doit tendre la main? Il y a quelqu'un qui vient me demander, bon, c'est un faux profil encore, c'est coiffe, quoi. Est-ce que c'est ça tendre la main? Entre celui qui a le pouvoir et celui qui n'a pas le pouvoir, qui tend la main à qui? C'est celui qui est en bonne position qui tend toujours la main à l'autre. Ce n'est pas le contraire. Ça n'existe pas. C'est toi qui as en bonne position, c'est toi qui as l'armée, c'est toi qui as tout. C'est toi qui m'interpelle, c'est toi qui me dis, viens, on va causer. Moi, je ne peux rien faire puisque tu as l'armée, tu as tout. Donc, c'est toi qui dois désamorcer la bombe. Ce n'est pas à moi de désamorcer la bombe. Hein? C'est toi qui désamorce ta bombe. C'est celui qui a le pouvoir qui désamorce ta bombe. Ce n'est pas le contraire. Donc, mon frère, je vous ai toujours dit que poser les bonnes questions. Oh, vraiment, vous me fatiguez. J'ai dit, bientôt là, pour parler du Cameroun, là, il faut me payer. Franchement, parce qu'on paye bien. On paye les ministres là. Je ne veux plus venir perdre mon temps pour parler du Cameroun, je ne suis pas payé. Oui, pour payer, parler du Cameroun, il faut me payer. Ouais. On parle du Cameroun, venez poser des questions stupides et tout, est-ce que c'est tendre la main? Tendre la main, on tend la main. C'est l'opposition a quel pouvoir pour tendre la main? C'est celui qui a l'armée, c'est celui qui a tous les appareils, c'est celui qui peut est capable de convoquer tous les médias, qui peut s'en faire asseoir tout le monde, qui peut discuter. C'est lui qui contrôle le pays, c'est lui qui tend la main. C'est pas l'autre de tendre la main. Vous pensez que si Vondayolo ou bien le secrétaire général ou bien ceci et demande à rencontrer, adresse une correspondance à tous les partis politiques, ils vont pas, et la société civile, ils vont pas venir? Ils vont venir. Parce que c'est un début de dialogue. Donc, c'est pas le contraire. Donc, voilà. Voilà, je pense que... ok, s'il y avait une personne qui... bon, moi, j'ai terminé. Hein, j'ai terminé. Si... comme d'habitude, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir pour donner un point de vue par rapport à ce refus de marche, par rapport à l'appel de Maître Sim qui demande l'organisation une organisation de marche contre le refus de marche au Cameroun. Et le troisième point qui... voilà, quelqu'un peut intervenir aussi pour dire s'il est d'accord pour que la diaspora... organise des marches au Cameroun et adresse chaque association adresse une autorisation de demander une marche au Cameroun puisque c'est ce qu'ils demandent de rentrer au Cameroun marcher. Alors c'est donc chaque association ici demandera une autorisation de marcher au Cameroun. Donc voilà, si au cas contraire personne ne veut intervenir. Aucune réponse. Voilà, j'essaie de mettre le numéro de téléphone ici. Hein. Voilà. 07 53 52 22 65. Donc si tu veux intervenir, voilà, ceux qui veulent intervenir rapidement comme d'habitude, voilà, chacun donne son point de vue, ça peut nous aider, ça peut aider les autres. Voilà, rapidement on intervient et on avance et on close ça au cas contraire. Voilà. Parce que le plus souvent, les gens se plaignent que oh, je fais les directs, je ne donne pas la parole. Donc, voilà, je laisse chacun. Donc, le refus de la marche du MRC, premier point. Deuxième point, l'appel de Maître Sim qui demande l'organisation d'une marche contre les manifestations au Cameroun. Et le troisième point, la proposition de la diaspora d'organiser des manifestations au Cameroun. Donc, à la diaspora, demander l'autorisation de marche. Parce qu'on n'accorde pas aux partis politiques, à la société civile, dont la diaspora peut faire la demande.
Donc, voilà. Si quelqu'un veut intervenir, c'est bien. Au cas contraire, voilà, on va dire, on espère que le message est passé et que la prochaine fois, on aura sûrement des réponses positives et que le gouvernement va quand même nous écouter et va se pencher et va dire que non, nous sommes les enfants de ce pays, on ne veut pas le mal dans notre pays, mais on veut le bien dans notre pays. Et c'est pour ces raisons qu'on passe tout le temps à contribuer pour qu'il y ait le bonheur dans notre pays. Et seul le bonheur apportera la paix, seul le dialogue apportera la paix, seul l'arrêt des hostilités dans les zones nord-ouest et sud-ouest apporteront la paix dans notre pays. Sans dialogue, on ne peut pas avoir la paix. Sans réconciliation, on ne peut pas avoir la paix. Sans main tendue, on ne peut pas avoir la paix. Donc, c'est tout ceci qui fait et qui apporte la paix dans un pays. Voilà. Merci. Une personne qui appelle. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonsoir. Oui, bonjour. Bonsoir, Crépin. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Mm-hmm. Oui, hein, comme j'ai pris le direct à la fin, là. Oui, oui. Mais finalement, si je voulais trois points sur lesquels je me rappelle, c'est que tu as demandé comment oui. S'appeler. Oui, oui, vas-y. Tiens, dis. Mm-hmm. Vas-y. Oui, sur la marche, non, je ne sais pas quand mettre Christine. Bon, je suis d'accord avec elle. Je ne suis pas d'accord. Je suis seulement en train de réfléchir sur la pénibilité, non. Oui, oui. Parce que je crois qu'au Cameroun, nous sommes arrivés à un niveau où on tenait plus les bonnes intentions qui comptent. Mm-hmm. Si quelqu'un a une bonne intention, il faut, avant de la soumettre même au peuple ou avant de la mettre sur les réseaux sociaux, il faut effectuer la pénibilité. C'est concret. Qui marche contre la marche? Cette marche, dans mes systèmes, cette marche doit être faite. S'il y a l'autorisation, c'est qu'il y a, il n'y aura pas l'autorisation. Mais une marche comme ça n'a pas besoin d'autorisation, puisque okay. C'est une marche qui va dans le sens de défier. Parce que une marche contre l'autorisation des marches, tu ne peux pas les demander de manifester comme ça. C'est une marche qui n'a pas besoin d'autorisation. Okay. Ok, d'accord. Et le deuxième point que j'aime, que selon mon point de vue, non, c'est que le Cameroun est tellement divisé que je suis sûr qu'une marche comme ça, même si beaucoup intérieurement pensent que ça a son sens, une marche comme ça ne va pas prospérer. Moi, ce que j'aimerais, c'est de montrer que j'allais faire. Comme c'est une marche pour le bien de tous, étant donné que le MRC, comme tu as dit tout à l'heure, on ne sait pas vraiment pourquoi ce parti est vraiment attaqué de tout part. Mm-hmm. Ce serait mieux que si les cadres du MRC, ils ont décidé comme ça, ce serait mieux qu'ils laissent même la société civile faire ce genre de proposition. Mm-hmm. Parce que, crois-moi, une fois que la position vient dans le MRC, il y a une certaine partie. Que je suis sûr que le RDPC peut payer pour les demander de boycotter. Mm-hmm. Beaucoup. Donc, parfois, il y a certains trucs que je me dis que même si le RDPC qui attend, c'est mieux de passer peut-être par la société civile, mais peut-être par un autre parti. Parce que j'ai remarqué que quand le RDPC dit quelque chose, c'est déjà vu autrement. Même le PCN, mais c'est que pour le MSCP, quand il dit des choses, on voit déjà ça autrement. Donc c'est un peu ça. Et je voulais aussi me tendre sur deux personnages dont tu as cité dans ton direct. Moi je pense que il faut qu'on commence à tirer. À être attentif à certains personnages. Il y a Mathias Onangini, il y a Elin Bilobel, il y a le professeur de Poussade. Je ne sais pas si tu as suivi le discours de ces personnes ces derniers temps. Je ne sais pas si tu as suivi le discours de ces personnes ces derniers temps. Je ne sais pas vraiment le but, je ne sais pas vraiment le but recherché dans ces discours. Moi, je n'ai pas compris le but recherché dans ces discours. Donc, je laisse vraiment les pouvoirs publics, la justice indépendante,
de saisir des discours, au moins c'était assez bien là que sur moi, sur la place publique, le ministère de la communication, le ministre de la communication doit, je ne dis pas de condamner, c'est parce qu'il doit condamner la public pour que les autres comprennent que c'est pas bon. Mais au moins, moi qui devais vraiment appeler Mathias et Hollande, qui dit d'exagérer avec ce discours vraiment. Moi, je peux faire un discours vraiment très dangereux. Je dis vraiment dangereux. Okay. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frangin. Merci d'avoir appelé depuis l'Italie. Merci. Ok. Je prends une autre personne. Oui, allô? Oui. Bonsoir. Ok. Je te mets en direct alors. Ta contribution. Ok. Vas-y. Ok, moi je voudrais tout simplement dire à propos de ce qui se passe au sujet du MRC, le maire du PC, que les gens s'embrouillent. Mais il ne faut pas. Moi je serais à la place du MRC, il y a un travail à faire, ils sont en train de le faire, ils sont arrivés, les Camerounais font des revendications maintenant, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Le Camerounais bombe leur torse. Quand ils sortent de capital, ce qu'ils n'avaient jamais fait avant, il y a des opposants qui étaient en diaspora depuis 30 ans, dont on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas leur existence, maintenant on connaît tout le monde. Alors, à cela, moi je dis, tout ce qu'on peut dire sur le MRC, son président Maurice Kamto s'est rendu indispensable dans la vie politique du Cameroun, parce que au jour d'aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que le RDPC, il n'y a plus de RDPC, il n'y a plus de président Paul Biya, parce que le président Paul Biya, que nous connaissons, que j'ai grandi avec, il n'aurait jamais, à grand jamais, laissé les Camerounais dans cette situation. Jamais, à grand jamais. Et les morts de nos eaux, et son peuple qui se meurt à petit feu, le président Paul Biya n'aurait jamais laissé une situation comme ça pourrir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ah, je suis d'accord. Il a discuté avec Jean-Luc Fondier, mais qu'est-ce qui aurait empêché le président Paul Biya de discuter avec Maurice Kamto? Parce que c'était le style du président Biya. Quand voilà. Ça n'allait pas unanimement au chrono, on le sait. Même s'il venait, il disait des choses, les gens s'appelaient, même si après il n'y avait pas des réalisations, mais il était là, sa présence était là, sa parole était là. Mais ça fait 3 ans, tout ce qui se passe au Cameroun, les fêtes du 20 mai, rien, le 11 février, rien, les gens se meurent, rien, son peuple se déchire, rien. Mais il y a un sérieux problème. Et je me rappelle de ce discours du professeur Maurice Kamto qui disait au président Paul Biya, je vous protégerai. Mais pourquoi est-ce qu'il disait ça? Il protège Maurice Kamto qui arrive comme ça. Il protégerait le président Paul Biya de qui? De quoi? Et pourquoi? Pourquoi cette grande parole? Il a dit, monsieur Paul Biya a des enfants, il a une famille, il a tout le monde. Pourquoi l'a-t-il dit? Tout simplement parce que l'affaire Maurice Kamto, c'est l'affaire Paul Biya. C'est l'affaire Paul Biya. Maurice Kamto n'est pas arrivé là comme un cheveu sur la soupe. Le président Paul Biya, ayant regardé autour de lui, n'a eu que des déceptions, que des trahisons. Il est allé chercher quelqu'un ailleurs. Qui au fond de lui, on le prend pour un Bamileke, qui au fond de lui n'a rien d'un Bamileke. Les 7 Bamileke que nous connaissons, qui sont attachés à, je ne sais pas quoi, un fou, un truc. Mais ce n'est pas le même personnage dont nous parlons s'agissant de Maurice Kamto. Ce n'est pas le même personnage. D'où, moi je dis, ok, le président Kamto va arriver, à la chute. De toute façon, c'est ce qui va se passer. Ils vont être obligés d'aller chercher Maurice Kamto pour pallier la situation du Cameroun, parce qu'il s'est rendu incontournable. Le RDPC... J'en ai fait partie, hein, je sais de quoi je parle. Nous nous sommes focalisés sur le pouvoir, garder le pouvoir, sans voir
sans aller étudier le contour de ce pouvoir-là. On a cru à un moment qu'il n'y aurait que Dieu qui se défendrait pour nous le prendre, ce pouvoir. Mais non. Et si ce n'est pas Maurice Kamto aujourd'hui, il y a une génération au Cameroun qui pousse à vitesse grand B. Ça va se gâter. Ça va se gâter. Donc, moi, à mes gens, moi, je dis tout simplement d'arrêter le massacre. Il faut arrêter le massacre. Les gens sont jetés, les tombes sont cuites. C'est pas la peine de tourner à gauche, à droite. Il n'y a plus de pôle Biya qui tienne. Je le dis. Il n'y a plus de pôle Biya qui tienne. Le Cameroun n'est pas gouverné au jour d'aujourd'hui. Ah, ça, c'est vrai. Chacun fait sa bouille à peine, comme il entend. C'est du chantage entre eux. Ça fait 3 ans qu'on nous parle de. Comment ministériel là, remplacer les gens, là, il y a le terme qu'ils disent là. Remaniement ministériel. Il n'y aura pas de remaniement ministériel, parce que ça, c'était l'affaire de Paul Biya. Et quand c'est entre eux, chacun peut être personne, veut mettre sa personne. Parce qu'il y a la peur. Il y a effectivement, Frangine, il y a la peur que eux-mêmes, ils ont là-bas, ils se disent, si on éjecte telle personne, il peut balancer la mèche, il peut faire ceci, il peut faire cela. Il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de choses, et je suis d'accord avec vous que le Paul Biya, que nous tous nous avons connu, qui a peut-être fait un moment tendu la main à ni John Fondi, dialoguer avec John Fondi, n'est plus le même. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un président aujourd'hui qui est complètement sourd, qui est incapable de qui ne veut écouter, qui n'écoute personne, qui le peuple crie, le peuple quémande même le dialogue, quémande même ceci, il ne reçoit personne dans tous les pays du monde. Ça n'enlève rien sur ta personne de recevoir. Et cette situation radicalise le peuple. Et les gens pensent que c'est des blagues, mais c'est un matin comme ça, on va se lever, on va se rendre compte que. Ils ne peuvent pas recevoir Maurice Kamto, parce que Maurice Kamto, physiquement, esthétiquement, connaît Paul Biya. Oui. Et ça ressemble un peu à la photo que l'Américain avait présentée à un certain Paul Biya, qu'il avait confondu à je sais pas quoi. Mais ça ressemble un peu à ça. Ils ne peuvent pas. Il y a qui au Cameroun, au jour d'aujourd'hui, même dans le gouvernement, qui voit Paul Biya de ses propres yeux? Il n'y a personne. Et comme tu connais Paul Biya, c'était son fils. C'était son fils. Il le connaît esthétiquement, physiquement, morphologiquement. Il le connaît, il aura des mots de code qu'il dira. Mais ce Paul Biya-là, il n'y est plus. Il n'est plus là. Je n'ai pas dit qu'il était mort, hein. C'est pas ce que je dis. Hein. C'est pas ce que je dis. Il n'est plus, il ne peut plus répondre de lui-même. Mais je dis au RDPC. Ces gens-là qui font ce travail, Paul Biya nous a tout donné. Paul Biya a fait de nous ce que nous sommes. Et faire de Paul Biya ce qu'ils sont en train de faire de Paul Biya aujourd'hui, le jeter à la vindicte populaire, même un palutier se lève et dit Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Dieu vous le rendra au centuple. Oui, il vous a mis là, c'était pas pour que vous le tuiez et mettre à la poubelle. Non! Ce n'est pas ce que Paul Biya voulait de vous. Vous êtes arrivé, vous avez tout pris, il vous a laissé faire. Et aujourd'hui, vous laissez que n'importe qui se lève pour insulter Paul Biya, un papa à cet âge-là. Les gens insultent parce que c'est la colère. C'est même pas directement Paul Biya qu'on insulte. C'est parce que c'est lui, c'est son nom qu'on traîne dans la boue. Comme une photo que j'avais vue circuler où une certaine dame levait ses bras pour dire bonjour aux gens. J'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. Non, c'est pas Paul Biya. Non, cet homme-là ne mérite pas ce que le RDPC est en train de lui faire. Non, il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Paul Biya ne mérite pas ça. Vous voyez, c'est un cri du cœur. Quand je vous le dis, je hurle. Là. Je le dis avec toutes mes forces. Je hurle. Sauf que ceux qui n'ont pas compris, même la France, même le Cameroun, ils vont monter, ils vont descendre, ils seront à genoux devant Kamto pour lui dire, papa, par exemple, dire que toi, tu vas arriver, si on vient, Kamto va venir, s'il veut, il viendra. Et s'il ne veut pas, il ne viendra pas. Parce que c'est un homme qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas cet homme-là.
Ah, je ne connais pas le père Camto. Mais voilà ce qu'ils ont fait de Camto. C'est eux qui ont fait de Camto style aujourd'hui. Lorsque Camto a dit, je veux rencontrer le président Paul Biya. Si ils avaient ouvert cette porte-là au président Paul Biya, on n'en serait pas là au jour d'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que on en va. Au jour d'aujourd'hui. L'affaire serait même classée, l'affaire aurait trouvé d'autres issues parce que c'était l'homme qui connaissait les arrangements. Parce que c'était l'homme qui connaissait les arrangements, qui avait une parole pour faire plaisir à tout le monde. Et non, mais la question qui est là aussi, c'est que le président Biya n'est pas, il n'est pas un dieu, il est un être humain. Et c'est tout à fait normal qu'il reçoive son opposition, qu'il discute avec son opposition, qu'il écoute son opposition. Tu ne peux pas être un président de la République, recevoir les ambassadeurs des pays étrangers, recevoir les gens qui viennent de l'étranger, mais tes propres compatriotes, ton opposition et tout, tu ne reçois pas. Ça fait partie des choses qui énervent. Écoutez, docteur, excusez-moi de vous couper, mais je continue à dire qu'il n'y a plus de Paul Biya qui tient là. L'étranger peut rencontrer Paul Biya. Il n'a pas de mots codés pour savoir si c'est le vrai Paul Biya. L'ambassadeur français, il y est dans son rôle du colonialisme. Il y est dans son rôle. Et on l'a vu dans beaucoup de pays d'Afrique où ils ont caché les morts, la mort de Père Bongo. Et arrivé, excusez-moi, parce que son fils était prêt. Il était déjà d'accord avec sa cousine, elle ne tient pas à Angers. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait cacher longtemps. Que le père Paul Biya soit mort, moi j'ai envie d'aller au deuil. J'ai envie de le pleurer et lui dire, papa, merci pour tout ce que tu as fait. Oui. Mais qu'il soit malade, qu'on nous le dise. Paul Biya n'était éternel, hein. Il était éternel. Et ils ne veulent pas que Paul Biya parle avec Camto tout simplement parce qu'il n'y a plus de Paul Biya, le vrai que nous connaissons qui tienne. Il n'y a plus. Et Camto le sait. Mais il ne peut pas le dire, ça. Il ne peut pas le dire. Il le sait. Mais il ne peut pas le dire. Il n'est pas médecin. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour... ta contribution pour ce petit direct. De toutes les façons, je sais que tu as toujours des interventions dures et qui contribuent pour cet apaisement et pour le développement dans notre pays. C'est tout ce que nous demandons. En tout cas, merci Frangine. On reste ensemble et on continue le combat pour un État apaisé et pour que les Camerounais restent solidaires. Nous sommes un peu, nous sommes tous des frères et sœurs de ce même pays. Et nous n'allons jamais diviser ce pays. Merci beaucoup. Ok. Ok, merci. Je vous en prie. Au revoir. Ouais. Oui, allô? Oui, j'en sais pas. Oui. Ok, tu veux parler? Oui, je veux parler rapidement. Ok, ça marche. Ok. Merci de me passer la parole. Ouais. J'ai pas vraiment suivi le... Tout le direct? Le direct. Je l'ai récupéré, mais j'ai écouté les questions que tu as posées. Et je vais m'attarder sur une seule. Celle qui concerne le fait que la diaspora puisse demander marcher au Cameroun. Mais juste avant, j'ai écouté la dame qui vient de parler. Je pense que c'est malsain ce qu'elle fait de dire que Paul Biya est mort alors qu'il... Non, elle n'a pas dit que Paul Biya est mort. Elle dit que Paul Biya n'a plus de force. Ce n'est plus le même Biya qu'elle qui était avant, le même Biya qui a rencontré ni John Fundi. Voilà. Oui, mais elle disait tout à l'heure qu'on ne veut pas recevoir Camto parce que Camto connaît le vrai Biya. Et comme on sait que Biya est mort, on ne veut pas recevoir Camto. Je trouve que non. Il ne faut pas qu'elle le dise parce que ce n'est pas vrai. Non, ça c'est bien, n'est pas mort, ça c'est sûr et certain. Ça, voilà. Donc, moi je parle pas, on n'est pas. Moi moi j'avais entendu, c'est comme si elle disait que, c'est-à-dire le président Biya n'a plus cette force, c'est-à-dire ce Biya qui était là avant, c'est-à-dire que tout le monde connaissait, qui ne pouvait pas laisser son peuple, et qu'elle a l'impression qu'aujourd'hui le RDPC est en train de manipuler le président Biya. D'accord, bon, on peut lui concéder, ça c'est une chose,
Mais pour l'instant, on sait que Paul Biya, il est là, c'est lui qui dirige, préparons-nous pour 2025, c'est ce que moi je peux lui dire. Okay. En passant, c'est tout. Mm-hmm. Maintenant, moi, la participation que je veux donner, je parle en tant que quelqu'un de la diaspora. Mm-hmm. Et quelqu'un de la diaspora, on va dire quoi, la diaspora qui ne fait pas de bruit, mm-hmm. mais qui essaye d'avancer. Donc, je ne vais pas tirer sur qui que ce soit et de dire Saadina, Tantina, passe, tout ça est monté. Je trouve que la diaspora n'est pas déjà organisée. Mmh. On veut, si on veut prétendre aller organiser des choses au Cameroun, il faudrait qu'on ait quand même un représentant, entre guillemets. Alors, qui va représenter la diaspora au Cameroun pour demander à faire des marches? Est-ce que ça sera de l'anarchie? Est-ce que ça sera... alors, à tout va. Donc, il y a un groupe qui se crée, qui dit, nous sommes diaspora, on veut aller marcher, nous sommes diaspora. Parce que je trouve que comme il y a ce désordre, je pense que avant qu'on initie ce genre de choses, il faut déjà structurer la diaspora qui va aller réagir au Cameroun. Ça, c'est mon propos. Et c'est pour ça que si j'entre dans ce qui se passe aujourd'hui entre tout ce qui est Tontina, Saadina, Abbas, MRC, il y a toujours un échec parce que c'est la cacophonie. Point. La cacophonie. Alors que dans la diaspora, il y a des gens bien instruits, bien outillé pour pouvoir guider et faire bouger les lignes sans mettre la sauvagerie en route. Et nous sommes catalogués aujourd'hui au Cameroun à cause du comportement de notre diaspora. C'est pour ça. Nous, tout le monde veut le changement au Cameroun. Tout le monde veut que les gens qui contrôlent le pouvoir s'améliorent et qu'ils essayent d'écouter. On a vu au Ghana, on a vu des jeunes qui ont jeté des sacs de riz, qui ont dit aux élites, aux élus, on ne veut plus de vos sacreries, on veut plutôt le travail. Ce travail va nous permettre de pouvoir nous-mêmes acheter nos sacreries. C'est de ça qu'il est question. Je pense qu'on a un problème d'organisation. Ok. En passant, il y a Jeannette qui vient encore de te reconfirmer ce qu'elle a dit tout à l'heure. Donc, ce que je t'ai aujourd'hui expliqué tout à l'heure, qu'elle n'a pas dit que Biya est mort, mais elle a fait juste comprendre que Biya n'a plus la même force qu'hier. D'accord, je ne parlais pas forcément dans le sens propre. Hein. Okay. Je parlais même aussi au sens figuré. Okay. On est tous d'accord. C'est un chef d'État. S'il meurt, on sort. Ah, et je vais poser la question, Bill. Est-ce que tu estimes qu'à l'heure actuelle, tout ce que la diaspora fait est un échec? Non. La diaspora dénonce des choses normales et claires. C'est la méthode qui n'est pas la bonne. Ok. Voilà, est-ce que tu estimes que c'est la méthode qui n'est pas la bonne? Est-ce que tu trouves que le camp d'en face a une bonne méthode? Alors, le camp d'en face, c'est qui? Quand tu situes, c'est quoi? Le gouvernement? Oui, c'est-à-dire, c'est le gouvernement. On sait toujours que c'est celui qui gouverne, qui tend toujours la main. C'est-à-dire, qui appelle aux autres de devenir, venez, s'asseoir, asseyons-nous et discutons. C'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui interpelle les autres. Est-ce pourquoi? Qu'est-ce qui les empêche de faire cela? Bon, est-ce que c'est pas ce comportement qui radicalise le peuple? Je suis d'accord qu'il y a des dérives. Il y a même, je suis d'accord qu'il y a des dérives, mais il faut continuer à aller dans le sens positif. Parce que si tu te radicalises face à une machine qui existe depuis des années et qui te contrôle, la preuve. Un président arrive à Genève, vous avez l'accord pour manifester et quelques jours après, on vous annule ça. Vous comprenez un peu les leviers sur lesquels il s'appuie pour le faire. Donc, je pense qu'il faut vraiment aller sur une autre démarche, vraiment. Une autre démarche pour qu'on se fasse écouter. Il faut être organisé. Organisons-nous dans la diaspora, même si c'est avec les gens de la base MRC et tout le reste, Tontina, Saadina. Mais si on n'est pas organisé, le gouvernement ne peut pas nous écouter. C'est ce que moi je pense. Il y a des abus, hein. Mm-hmm. Moi je dénonce tous les abus possibles, mais je veux dire qu'on n'a pas encore épuisé toutes les voies de recours. C'est ce que je pense personnellement. Et je trouve que plus on s'engouffre, plus on comprend que certains tirent les ficelles, et plus il y a ce désordre, plus d'autres sont à l'aise et d'autres sont pénalisés. Mm-hmm. Voilà. Bon, moi je peux prendre un exemple pour moi. Je suis de la diaspora, j'ai été lauréat dans un concours, je t'avais même sollicité pour un. Ça n'a pas abouti juste parce que tu te rappelles. Oui. On devait répondre à un appel à projet récemment. Oui. Alors, j'ai répondu à un autre appel à projet, à deux appels à projet, Mitafrica 2 et le PNUD. La diaspora
camerounais est beaucoup prisé aujourd'hui pour aller implanter. Je vais être accompagné, je rentre au pays. Le mois prochain, je suis au pays pour un an. Parce que je vais avoir cet accompagnement-là. Je veux dire qu'il faut utiliser tous les autres mécanismes pour arriver à faire entendre parole. C'est ce que je dis. Et je te rappelle, je te précise bien que dans le kick-off meeting de cette initiative, l'ambassade de France, du Cameroun en France a été représentée par Madame Zongo. Mm-hmm. Ça veut dire qu'ils ont créé une cellule qui écoute les jeunes de la diaspora qui veulent rentrer investir au Cameroun. Mais la publicité ne passe pas justement parce que nous sommes absorbés et troublés par d'autres choses. Je ne vois pas des lives qui parlent de ça. Moi, je ne vois que des lives qui parlent des choses que les gens dénoncent. On a déjà tellement entendu ça. Tellement là-bas, tellement ceci. Non. Faites-nous aussi des lives qui montrent qu'il y a Meet Africa, il y a le SIAD, il y a le PNUD qui finance les jeunes de la diaspora qui veulent rentrer au Cameroun. Non, mais. Initier des projets. Bill, quand tu dis ça, moi, je ne suis pas peut-être d'accord avec toi parce que moi, je te prends un exemple, mais ce n'est pas l'objectif du direct. Moi, je te prends un exemple. Moi, j'ai un centre de formation au Cameroun et j'ai sollicité pas mal de structures. Il y a même une organisation ici qui travaille avec l'ambassade et qui travaille avec le Cameroun, qui a même d'ailleurs pris mon projet et qui a intégré mon projet comme étant un projet qu'ils ont financé. Et nous sommes partis même, ils nous ont même fait venir dans les locaux ici. Je suis parti avec mon ami Abdelaziz Moundé, présenter même le projet dans leurs locaux, soi-disant on attend un financement et qui malheureusement on a vu seulement des rapports sur les réseaux sociaux que c'est un projet qu'ils ont accompagné. Donc c'est pour vous dire que il y a des gens comme ça, mais bon, moi je m'attarde pas tout sur des trucs comme ça là. Il y a des dérives, je suis d'accord avec voilà ça. Donc on ne s'attarde pas. Moi je pense juste que ce que la diaspora fait aujourd'hui, c'est vrai que le régime en place ne facilite pas la tâche, c'est tout à fait normal que la diaspora aussi se radicalise par rapport à certaines choses. On peut trouver l'équilibre des choses. Pour qu'on trouve l'équilibre, comme par exemple, je prenais tout à l'heure, je parlais de l'exemple des filles, des femmes indignées hier qui ont organisé une marche devant l'ambassade en Bakam à Paris. Oui. Donc, la seule chose qui, sans être condescendant, l'ambassadeur aurait pu descendre, venir rencontrer ses compatriotes, son peuple, et dire au peuple, demander, ouais, mes enfants, qu'est-ce qu'il y a? Bon, choisissez trois personnes, venez, on va discuter. On va discuter. Parce que ce que tu dis, c'est tout à fait normal. Mais, qu'on ne parle pas peut-être des autres projets, mais pourquoi on parle des autres projets? Il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait une discussion. Mais quand tu restes dans son bureau, tu ne veux pas sortir, tu estimes que tu es tellement, tu as atteint, tu es au sommet et que tu ne veux pas, ça radicalise, même si c'est un enfant, que tu passes tout le temps à taper sur ses mains, à taper sur ses mains, tu ne dialogues pas avec un enfant, il devient un rebelle dans la maison. Donc, n'acceptons pas certaines choses pour accepter. On a un gouvernement qui ne veut rien écouter, qui ne veut pas entendre, qui estime. Tu prends ce qui s'est passé à Genève. On va beau insulter, on va beau faire ceci. Il y a quand même le directeur de cabinet. On peut ne pas dire que, bon, le président Biya est le chef de l'État. Ok. Il y a tes enfants qui sont venus manifester. Mais Mvondo Ayolo, il est le directeur de cabinet, il a été ambassadeur ici, il connaît la diaspora. Qu'est-ce qui a empêché Mvondo Ayolo de dire que je viens rencontrer mon peuple? Je viens dire à votre que bon, choisissez 3-4 personnes là, venez, on va s'asseoir, on va discuter. Et dès que vous partez, je suis sûr que si tu viens, tu poses un acte pareil. Les gars vont s'attendre d'abord. Ils vont attendre le retour de ce qui est dit là-bas. Et c'est ce qui, quand le président de la République reçoit son collègue ou bien tel, ou bien quand on a vu ce qui se passe au Cameroun, après une rencontre, il y a toujours des conférences de presse où on annonce telle chose. C'est ça aussi l'évolution, c'est ça aussi le développement, et c'est ça aussi le respect de son peuple. Et c'est ce respect que ce peuple demande et que ce respect que ce peuple n'a pas. Donc, je suis d'accord, on peut taper, on peut faire ceci, mais moi j'estime que le gouvernement en place méprise énormément le peuple camerounais. Il méprise énormément. Il y a un mépris. Je te l'accorde, mais ça revient à ce que je t'ai dit au départ. Nous ne sommes pas organisés. Qui, la semaine dernière, a fait du boucan à Genève? Qui vient se placer à l'ambassade le matin?
ou alors c'est logique. Je ne suis pas d'accord avec ce que l'ambassadeur a fait, mais je peux expliquer la réaction. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont dans un groupe, qui ont semé le désordre la semaine dernière quelque part, qui reviennent se positionner. Est-ce qu'ils ont fait une demande? Est-ce qu'ils ont envoyé une lettre et dit « Monsieur l'ambassadeur, on veut vous rencontrer ». Fais la demande à qui? Moi, je vais vous prendre un exemple. Attends, parce que quand vous dites ça... Non, je parle juste contre... Oui, Bill. C'est un questionnement. Oui, c'est un questionnement et je vais te répondre aussi à ce questionnement. Quand on a arrêté Patrice Ngana au Cameroun, je vais te prendre un exemple. Quand on a arrêté Patrice Ngana au Cameroun, Joël Didier Ngo et moi avons adressé un courrier. Biya était à l'époque, à ce moment ici, il était de passage ici en France. Tout à fait. Nous sommes partis à l'ambassade remettre un courrier où on avait envie d'être reçu par l'ambassadeur pour plaider le camp Ghana. On a remis et Biya était là. Ils ont pris le courrier. Le courrier n'est allé nulle part. C'est-à-dire, on a essayé, vous ne pouvez pas dire, on a essayé toutes les démarches possibles. Toutes les démarches, la diaspora essaie toutes les démarches pour atteindre un objectif d'apaisement. C'est juste que on a en face de nous des personnes qui sautent, qui ne veulent pas écouter. Je viens de vous prendre un exemple aussi clair que vous pouvez comprendre que les démarches, je ne sais pas ce que les organisateurs des marches ont fait, mais je suis sûr que il y a eu sûrement des démarches dans ce sens. Ok, je te l'accorde. Je peux même te prendre un autre exemple qui va dans ton sens. Moi, je suis parti au Cameroun, tout dans le cadre des projets pour rencontrer les responsables des ADC. Le monsieur était dans son bureau. Ouais. Que son SG me demande d'aller faire un fax. Bon, tu écoutes la frustration. Le SG est là, nous sommes là avec monsieur Assoumou. Il est à deux pas de nous. Je suis avec tous les représentants. Que le SG des ADC me demande rentrer, aller faire un fax. Alors que lorsqu'on tu arrives quelque part, tu fais une demande d'audience, c'est-à-dire que tu remplis un document là, et on va le présenter, et ils voient s'ils te reçoit ou pas. On est bien d'accord que c'est comme ça que ça fonctionne. Okay. Je veux dire que ça fait essaie de couper un peu, Bill. On va prendre d'autres personnes parce que ça ne va pas durer. Oui, je coupe. Non, je veux juste dire que j'aborde dans ton sens, c'est logique, c'est normal. Okay. Parce qu'il y a toujours des brebis galeuses, il y a des tas de gens qui ne veulent pas faire passer des choses qui dérangent le régime. Ça peut être fait à dessein ou exprès. Je veux dire que moi, je vais toujours militer pour que nous, les jeunes de la diaspora, on s'organise mieux pour faire changer les choses. Un pays a toujours été changé par la force de sa diaspora, pas le contraire. Merci, Bill. Merci. Je t'en prie. Oui, allô? 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 Oui, allô? Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, je vous écoute. Vous m'entendez? Oui, il y a le son, il y a mon son derrière là-bas. Diminuez un peu le son derrière vous. Oui, vous m'entendez là? Ok. Bonjour. Ok, je vous mets en direct. Ok. Bonsoir tout le monde. Écoute, je voudrais intervenir par rapport à ce monsieur. Je voulais dire à ce monsieur que vous savez la diaspora, quelle est la diaspora? Il est libre de prendre son téléphone, de se mettre comme vous le faites là, docteur, et de parler de ce qui intéresse les Camerounais, puisque apparemment, la diaspora ne fait pas bien son travail, la diaspora ne fait pas bien son travail. Donc s'il y a à interpeller les gens, vous dites qu'il y a les gens de retour qu'on a organisé un truc pour la diaspora qui doit reculer au pays, il faut le faire. Moi les gens, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Lui, il y a une fange qui peut faire autre chose. Et quand il dit là que la diaspora n'est
d'abord, hein, D'ailleurs, il est d'accord avec vous. Il vient de dire qu'il est bien d'accord ce que vous venez de dire. J'ai pas compris. Il est d'accord, il vient d'écrire là qu'il est bien d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Oui, parce que je me comprends parce que les gens se lèvent, ils prennent leur téléphone, ils vous appellent, ils se mettent à critiquer ce que les gens font. Ils font ce qu'ils peuvent faire. Si vous bien êtes sûr. Intellectuels, et vous trouvez qu'ils ne sont pas intellectuels. À mon disant, excusez-moi, vous savez que tous ces intellectuels, tous ces professeurs qui partent tout, les télévisions et qui disent de la merde. Les intellectuels de quoi? Ils sont intéressés, mais ils sont sages. Ils savent ce qu'ils veulent pour le pays. Et ça, c'est alors, clair. Si vous connaissez ce qu'il faut, si vous connaissez la clé qui va ouvrir notre sortie, donnez-nous la clé. Ne venez pas vous asseoir, vous prenez votre téléphone, et quand on a fait une émission, vous venez intervenir pour dire que critiquer. C'est bien moi de critiquer. La critique est belle, mais c'est des solutions. On veut des solutions. Nous tous, nous voulons des solutions. Nous tous, nous voulons des changements. Nous tous, nous voulons que le gouvernement de Biaton. Mais si c'est pour venir dire que la diaspora ne fait pas bien, la diaspora c'est difficile, mais non, c'est trop facile. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr que c'est trop facile même d'ailleurs. Ah, ça je suis d'accord avec toi comme ma soeur. Je suis d'accord avec toi comme papier. Ah, ça c'est sûr. Voilà. Donc c'est ça, parce que ça m'énerve quand il est temps de passer là pour critiquer. Non, ne critiquez pas. Ils se sont levés, on a interdit la manifestation, mais ils sont carrément, ils sont partis. Pardon, encore avec ces blagues pour matin. Parce que ce qu'ils ont fait, ça s'est passé. Nous sommes restés devant nos téléphones à regarder ce qu'ils étaient en train de faire là-bas. Mais il faut qu'on encourage. Ah oui, voilà, les gens qui ont demandé de marcher au Cameroun, on refuse. Et vous allez vous parler de quoi là, de démocratie? Mais non, ici nous avons, et on va. Moi je ne peux pas partir, mais je participe dans la cagnotte. J'essaie de donner pour que ces gens puissent partir. Et si tu ne peux pas, tu essaies de participer dans la cagnotte, que tu pars. Quand tu ne peux pas, tu donnes. Donc ne venez pas critiquer. Bravo, Frangine, bravo. En tout cas, merci pour le coup de gueule. Ça méritait d'être recadré. Merci. Ok. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Oui, allô? Oui, baissez un peu le volume là-bas, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir. Ok. De la manière politique, que je ne sais pas que s'il a trop bu la bouillie, là, il faut qu'il retourne au camion rester. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que lui fout ici. Là. Parce que nous, on a envie de rentrer. La vraie diaspora a envie de rentrer. Nous, on souffre ici, même au contraire. Hein? Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un vit dans un pays. Oh mon Dieu! Donc, pardon, ne reçois plus les gens comme ça, là, pour nous nuire un peu le tableau, s'il te plaît. On en a marre de ces personnes-là. Est-ce que tu comprends même ce qu'il dit, là? Il vit, il prend son temps, il caresse les robes, il vit lui, il sert la gaspoire. La dame qui est passée avant, pas cette dame, même cette dame-ci, elle a très bien parlé. Dis-lui de prendre son téléphone comme vous l'avez, c'est trop facile de sortir sa longue bouche.
voir des personnes qui sont en train de s'exposer comme ça, là, se battre pour le peuple camerounais. Non, j'ai envie d'aller, la manière n'est pas bonne, la méthode a fait ça. Dis qui nous amène la méthode magique. Tout ce que nous on veut, c'est que le Cameroun là se libère. Claire, Claire. Je suis fatigué, oui. Claire, Claire et net. Je suis fatigué, je suis fatigué de ce monsieur-là. Mais tu te rends compte, on vit en Europe, on vit où comme ça, là. Tu as déjà vu où un président d'OTAN ne reçoit pas l'opposant, il reçoit les étrangers. Quel mépris même pour le peuple camerounais. Je demande, qu'est-ce qu'on a fait sur nous? On a un problème dans notre cerveau là-bas au Cameroun. J'ai l'impression qu'on a versé la magie sur la tête des Camerounais. Personne ne comprend, puis personne n'entend rien. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans le pays là? Ah. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas des personnes même qui ont fait les. Je te jure, c'est depuis 2018 que moi je connais la politique. Je ne connaissais même pas comment. Je ne savais même pas de quel côté on parlait la politique au Cameroun. Mais grâce au professeur Maurice Kamto, je dis merci, merci à ce monsieur-là. Aujourd'hui, je me tiens debout, je peux réclamer. Je peux dire que non. Un policier même m'interpelle en route. Il me dit tu as fait ça. Si je ne suis pas. Si je sais que je n'ai pas tort, il va que m'amener là où il va m'amener. Si oui, il me tue. Là, je suis prêt maintenant à mourir. Tu comprends ce que je dis, docteur? Parce qu'il est inadmissible qu'on passe notre vie 40 ans dans la misère. On vient en Europe, on se bat, on bosse, on vient en Europe. Après, on dit que non, toi, tu ne diriges pas bien le pays. On veut nous imposer que... Qu'est-ce que le professeur Maurice Kamto a dit? Il a dit que oui, j'ai eu mes élections, on a volé. Bon, il a oublié ce côté-là. Alors maintenant, reprenons tout et on repasse encore les élections. Pourquoi les gens la fuient? Pourquoi eux, ils refusent? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas nous montrer Pobia? Pobia, il est où? Mais Pobia n'est pas un roi. Pobia, mais la présidente n'est pas devenue le royaume de Pobia. Il faut qu'on comprenne. On dit bien république. On n'a pas dit la chefferie de Pobia. Et où est-ce qu'on nous amène là? Ouais. Et si on met ça là, c'est que nos enfants vont suivre ça. Parce que quand on veut parler, ça devient que c'est les affaires des Bamlegué, les Bamlegué, les Bamlegué, les Bamlegué. Les hauts Camerounais, réveillez-vous. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On est en train de nous cogner la tête. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce pays-là? Qu'est-ce que nous on a mérité pour avoir? Mais ça, c'est clair que ça range le gouvernement en place, hein, pour eux là. On n'est pas en train de supporter si Pobia est Boulou, si Pobia est Bamileke, si Pobia est quoi. On ne veut pas savoir. Ce qu'on veut, c'est que Pobia, il est où? Voilà le Covid-19 qui est passé. Pobia ne s'est pas présenté. Mais quand les étrangers viennent, Pobia se présente. Mais sur quelle planète on vit? Et vous attendez qu'on nous respecte aussi en Europe? Hein? Vous attendez qu'on respecte les Noirs? Mais si un Noir vient, on tue un Noir ici, là, tu vois comment les Camerounais vont se verser dessus. Pleurer même le deuil, même plus que ces personnes-là. Mais les propres deux est là-bas. Personne ne pleure. Personne ne pleure. Les Camerounais, on est méchants. On est méchants jusqu'à une méchanceté vraiment. Docteur, tu sais, j'ai tellement dit que je suis choqué. Je suis vraiment choqué et révolté. Au jour d'aujourd'hui, là, je suis capable du pire. Il faut que Dieu m'excuse le terme. Mais quand c'est trop, c'est laid. À un moment donné, on pousse tout le monde à bout. Je te comprends, hein, combattant, je te comprends. Mais en tout cas, c'est. Aujourd'hui, là, il y a notre quatre collines là-bas, là, où c'est Vision Caca, qui passe son temps en train de cogner sur tout un peuple. Bamileke, matin, midi, soir. Les gens sont allés à Genève, ce sont des Bamileke. Les gens à Paris, ce sont des Bamileke. Oui, oui, il faut qu'on se réveille. Peuple camerounais, réveillez-vous. On est en train de nous tromper. Si on ferme les yeux, vous avez vu ce qui s'est passé au Tchad, non? C'est ça qui va se passer au Cameroun. Mais avant que ça se passe, je préfère mourir que de voir ça. Je vous jure, je préfère mourir pour de vrai, vrai. Parce que je ne vais pas voir ça. Une personne ne va pas passer nous diriger, ses enfants, ses arrière-enfants. Excuse-moi, docteur. Quand on dit que les Bamileke sont comme ça, compte là-bas, dans tout le Cameroun, là, dans tous les mythes, dans tout ce qui est comme administratif, c'est quelle tribu qui est là-bas, les qui sont tribalistes. Il y a plein de poulous, des premiers étages jusqu'à 20e étage, il n'y a que même peuple. Les gouverneurs, ce sont eux. À l'ouest, c'est eux. À Douala, ce sont eux. Qu'est-ce qu'on veut nous montrer? On essaye de faire comme si on ne voit même pas. On simplifie. Mais là, maintenant, à la guerre comme à la guerre, ça va sortir comme ça va sortir maintenant. Ah, ça? Comme ils veulent que la matière soit au Cameroun, là, ça va sortir. Nous tous, on va perdre. Bamileke, Bassa, Douala, toutes les tribunes, là,
tout le monde va perdre sa... Ce n'est pas l'affaire des Bamileke tout seul. Comment on dit qu'ensemble, on lutte, on trouve que c'est l'affaire des Bamileke là. Restons, on va voir. Le ciel là-bas, ça dit que le lac là, c'est en train de tourner comme ça devant nous. On va... Nous tous, on va rentrer dans l'eau là. On va tomber tous dedans. Je vous jure, le Cameroun va être pire. Ça va être pire. Et lui, pire même encore. On va rester là, on va passer devant nos yeux pour pleurer. Maintenant, où il faut battre, on se bat. Et pour choisir notre président, peu importe qui est là. Le professeur Maurice Kamto n'a pas dit que ce n'est pas le prix. En fait, ce n'est même pas à tout prix que ça soit lui. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas sur le monsieur là? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? On tourne toi même que sur les Bamileke. On tourne toi même que sur les Bamileke. Tout ça pour nous distraire. Mais nous ne sommes pas distraits. On va distraire que les fous, les gens qui ne veulent pas comprendre. Mais nous, on a compris depuis. On a compris. Bonne soirée à vous. Bonsoir, bonsoir la veille pour ton coup de gueule. Allez, on est ensemble. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour ce petit direct. Ça fait toujours du bien. Bon, écoutez, hein, et je pense qu'il est quelle heure? Il est 20h30. On va libérer tout le monde et je souhaite une bonne journée à tout le monde. Mon frère et mon ami Franck. Que dit, merci beaucoup. Voilà, Tchaïtoula, Koff, Tweet, merci, merci à tous ceux qui ont été là. Hervé, merci. Jeannette, merci, merci à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne soirée et un bon début de week-end. Et on est ensemble. L'objectif, c'est la paix dans notre pays. L'objectif, c'est le dialogue dans notre pays. L'objectif, c'est l'arrêt des hostilités de la guerre dans le Nozo. C'est ça l'objectif. Et que le régime de Biya essaie d'écouter, essaie de tendre la main pour dialoguer avec le peuple parce que seul le dialogue peut apporter la paix dans notre pays. En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui sont restés encore connectés jusqu'à par heure. Je sais que beaucoup sont en direct à l'heure actuelle. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end et bien des choses à vous.